Bonjour et bienvenue sur Tricotouch. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté de tuto, donc je suis assez contente de le faire. Donc aujourd'hui, le tuto numéro 22 pour tricoter un petit paletot qui va de la taille. Alors attends, il y a la taille 3, 6, 12, 18 et 24 mois. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire dans la présentation. La toute première, c'est que c'est sous la vidéo que vous trouverez les liens qui vous seront nécessaires et notamment le lien vers les patrons. Donc mes tutos fonctionnent toujours sur le même principe, soit c'est des patrons gratuits, accessibles librement sur Internet, soit ce sont des patrons que je crée, mais dans tous les cas, bien sûr, vous y avez accès. Alors c'est un ouvrage qui se tricote en une seule pièce et qu'on commence par le dos. Et vous avez deux patrons. Le premier patron qui vous permet de calculer et de tricoter la partie 1, et le deuxième patron qui vous permet de tricoter la partie 2. Ce qui m'amène au grand principe, à l'autre grand principe de mes tutos, c'est que il vous faut avant toute chose faire un échantillon. Il va vous falloir faire un échantillon et le compter. Donc quelque part par là, une boîte de dialogue qui s'ouvre pour vous expliquer comment on tricote un échantillon et comment on le compte, parce que vous allez pouvoir adapter cet ouvrage à la taille que vous désirez, donc les 4 ou 5 tailles que je propose, mais aussi et surtout à la taille du fil et des aiguilles que vous allez Voilà, utiliser. Et la liberté de tricoter cet ouvrage avec le fil et les aiguilles que vous voulez nécessite forcément de faire des calculs. Donc vous voyez, on fait sans cesse des multiplications. On multiplie, on multiplie, on multiplie. Mais du coup, ça vous permet de tricoter ce paletot avec le fil que vous voulez et les aiguilles que vous voulez, ça ne pose pas de problème du tout. Alors, est-ce que c'est un tuto débutant total? Débutant, oui, débutant total, non, pour une raison très simple. C'est que comme vous avez tricoté votre échantillon au point mousse et que éventuellement vous avez regardé la vidéo que j'ai faite qui vous y aide, vous savez du coup forcément monter des mailles, puisque je le montre, tricoter des mailles en droit, puisque je le montre aussi, rabattre, je crois que dans l'échantillon je rabats pas, mais ici je vous le montre en détail. Donc c'est un tuto débutant, mais qui n'est par la force des choses pas débutant total, puisque vous avez au minimum fait un échantillon, donc vous connaissez les bases du tricot. Alors j'ai choisi dans cette version-là de le faire ce paletot justement au point mousse, notamment parce que pour les triconautes qui débutent, ça permet de ne pas se prendre la tête, on tricote toujours toutes les mailles à l'endroit, et comme ça on est tranquille. Mais du coup, j'ai quand même pas mal de choses à vous dire sur le point mousse. Le point mousse, c'est un point qui prend beaucoup de fil, beaucoup plus que le jersey, et qui est assez long à tricoter parce qu'il faut beaucoup de rang pour monter en hauteur pour faire des centimètres. L'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que le point mousse est un point qui est très souple et qui a tendance du coup à se détendre. Ce qui m'emmène au choix du fil et des aiguilles. J'ai tricoté moi cet ouvrage avec la laine Julia de chez Zeman et au départ elle est préconisée pour des aiguilles 7,5-8. Comme c'est du point mousse et que ça se détend et qu'en plus c'est un paletot, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir une certaine tenue, c'est une veste, hein, c'est pas un pull très souple, c'est une veste au départ. J'ai décidé de tricoter ce fil avec des aiguilles beaucoup plus petites, en l'occurrence des aiguilles numéro 6. Pour tout vous dire, j'aurais peut-être même pu utiliser des aiguilles 5, 5 et demi pour lui donner encore plus de tenue. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que ça va vous prendre pas mal de fil et qu'il vaut mieux tricoter le fil peut-être avec des aiguilles un petit peu plus petites que celles qui sont préconisées sur l'étiquette, parce que le point mousse a tendance à se détendre et parce que c'est une veste qui a besoin d'avoir de la tenue. À propos de la quantité de fil nécessaire, quelque part par là, une boîte de dialogue qui va s'ouvrir et qui va vous emmener vers une vidéo que j'ai faite pour pouvoir calculer à l'avance le fil dont vous avez besoin. Ce calcul se fait au moment où on fait l'échantillon. Donc je vous conseille de visionner la vidéo sur l'échantillon et de visionner ensuite la vidéo sur combien de pelotes. Pour un ouvrage, ça va vous donner une indication quand même relativement précise de la quantité de fil dont vous aurez besoin en fonction de la taille que vous utilisez, de votre fil et de vos aiguilles comme d'habitude. On va rester sur le point mousse pour que je vous en parle encore un petit peu. Ici, vous noterez que je n'ai pas fait ce qu'on appelle de maille lisière. Alors, la maille lisière, elle existe toujours, c'est la première maille et la dernière maille d'un rang, mais parfois, on la tricote d'une certaine façon. De sorte que lorsque le bord de l'ouvrage n'est pas caché dans une couture, comme c'est le cas ici, qu'on puisse faire un bord joli en tricotant la première maille de chaque rang d'une certaine façon. Moi, je ne l'ai pas fait pour une raison toute simple, c'est que je n'ai pas l'habitude de faire de jolies mailles lisières. Et je me suis dit que si je tentais le coup, ce qui allait se passer inévitablement, c'est que de temps en temps, je la ferais et de temps en temps, je ne la ferais pas. Donc, j'ai préféré ne pas faire de mailles lisières, ne pas tricoter la maille lisière d'une façon particulière.
Mais très honnêtement, moi je trouve que les bords sont tout à fait corrects. Donc du coup, j'ai pas. Voilà. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais si vous avez besoin, si vous souhaitez avoir réellement une finition avec une petite chaînette au bord, vous trouverez plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment traiter la première maille de chacun des rangs. En point mousse, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on glisse cette première maille de tous les rangs. On la glisse en la prenant comme pour la tricoter à l'envers, mais on ne la tricote pas. Alors je vous parlais de la taille des aiguilles et ça m'amène aux boutonnières, bizarrement. Donc vous pouvez tricoter ce paletot, quelle que soit la taille de vos aiguilles. Si vous voulez le tricoter avec des aiguilles taille 15, c'est pas un souci. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'on vient poser des boutonnières. Ce sont des boutonnières de une maille. Et ces boutonnières seront d'autant plus larges que vos aiguilles seront grosses. Plus vos aiguilles seront petites, plus vos boutonnières seront petites. Plus vos aiguilles seront grosses, plus votre boutonnière sera grosse. Ce qui fait que vérifiez quand même que soit vous avez des boutons qui soient suffisamment gros ou suffisamment petits, je ne sais pas, pour bien passer dans la boutonnière. Si ces boutonnières sont trop grosses et que vous n'avez que des boutons un petit peu petits, faites d'abord attention à la proportion de la taille des boutons par rapport à l'ouvrage. Si ici je pose des boutons de taille layette sur un ouvrage de cette taille-là, ça ne va pas être très joli. Mais bon, imaginons que vous n'ayez que des petits boutons alors que vous utilisez des aiguilles un peu grosses, donc votre boutonnière sera un peu grosse. Vous avez toujours la possibilité de venir les rétrécir en faisant deux petits points de couture. Par contre, l'inverse ne sera pas possible. Si vous utilisez des aiguilles toutes petites pour faire ce paletot et que les seuls boutons que vous ayez soient gros comme ça ne va pas fonctionner. À ce moment-là, il vous faudrait éventuellement aller chercher une vidéo sur les boutonnières à 2, 3 ou 4 mailles pour pouvoir adapter la taille des boutonnières à vos boutons. Alors, toujours dans le thème du point mousse, ce qu'il faut savoir, c'est que le point mousse est un point qui est facile. Ce tuto est un tuto facile. Il demande très peu de concentration et quasiment pas de technique, contrairement aux déclinaisons dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je vous disais, c'est du point mousse. Il est souple, il se détend un peu. Il est quand même très joli, il est très adapté à la layette. Il est réversible. Donc, ça nous demandera de prendre un repère en cours de tuto parce qu'il faut toujours qu'on sache si on est sur l'endroit ou l'envers du travail. Il a un autre avantage, ce point mousse, c'est qu'il ne roulotte pas. C'est-à-dire qu'au niveau des manches, donc là je les ai retournées, mais si je ne les, re si je ne, je ne les pardon, retourne pas, ça ne roulotte pas, le bas non plus, la capuche non plus, le devant non plus, donc c'est parfait. Mais du coup, peut-être vous auriez envie de tricoter ce paletot dans un autre point que le point mousse, et je pense par exemple au jersey. Le jersey, l'inconvénient, alors l'avantage, c'est que ça se tricote beaucoup plus vite, ça prend beaucoup moins de fil, mais l'inconvénient, c'est que ça roulotte. C'est-à-dire que vos manches vont rouloter, le bas va rouloter, le devant va rouloter, la capuche va rouloter. Moi, je me disais que dans ce cadre-là, peut-être que si vous tricotez ce paletot en jersey, vous pouvez le faire, hein, ce n'est pas un souci. Peut-être qu'avec un coton léger, peut-être faire quelque chose qui ressemblerait à une marinière, avec un coton rayé, ce genre de choses, et garder cet effet rouloté qui, du coup, s'intégrera bien d'un point de vue esthétique à la coupe. Ça, c'est un choix que vous allez devoir faire. Moi, je propose le tuto en point mousse, mais vous pourriez utiliser un autre point. Le jersey roulotte, il faut simplement le savoir. Si vous utilisez un point fantaisie, vu qu'on ne fait que faire des augmentations et rabattre, ça ne va pas poser de problème, à part peut-être pour la capuche où on vient répartir des augmentations. Ça signifie que vous maîtrisez suffisamment bien le point fantaisie pour pouvoir venir augmenter dans un même rang plusieurs mailles et garder tout de même le point fantaisie intègre. Donc là, on n'est plus du tout dans le débutant, ni même dans l'intermédiaire. Si vous utilisez un point fantaisie pour ce paletot, c'est tout à fait faisable, mais il faut savoir l'augmenter et le diminuer, non pas sur les bords, ce qui est relativement simple à faire, mais au sein même d'un rang. Alors, vous pourriez avoir envie de tricoter ce paletot en jersey, mais de ne pas avoir envie qu'il roulotte. Alors, c'est quelque chose que j'ai prévu. Donc ça, c'est ce que j'ai fait au point mousse. Bientôt, je vais mettre en ligne les déclinaisons de deux déclinaisons de ce tuto numéro 22. Alors je vous parle un petit peu des déclinaisons. Sur ma chaîne YouTube, vous verrez une playlist qui s'appelle Déclinaisons. Le principe est le suivant. Vous avez déjà vu ou déjà fait le tuto, en l'occurrence le 22, et je vous propose d'utiliser exactement le même patron, mais de l'appréhender de manière différente, de façon à avoir une variante, une variable ou une variante, je ne sais pas comment on peut dire. Mon objectif premier, c'était donc de tricoter ce paletot en jersey, mais de ne pas avoir le problème des bords qui roulottent. Donc sur celui-ci, il est pas du tout, il demande pas de concentration, mais par contre il est plus technique parce qu'il demande beaucoup plus de calcul. Je suis venue tricoter toute la partie en jersey et ensuite je suis venue relever des mailles
pour tricoter la partie en point mousse, ce qui permet d'avoir un ouvrage qui ne roulotte pas. La deuxième version que j'ai faite, elle, est pas spécialement technique, mais demande beaucoup plus de concentration. Je suis venue tricoter sur un même rang du jersey d'une part et un point fantaisie qui ne roulotte pas d'autre part. Voilà, donc dès qu'elle sera en ligne, enfin vous le verrez, si vous êtes abonné, vous aurez une notification. Sinon, vous allez fouiller dans la playlist déclinaison et vous trouverez ces tutos-là. Alors pour le matériel, ben la base, hein, le fil que vous avez choisi, les aiguilles qui vont avec, donc soit celles qui sont préconisées, soit légèrement plus petites, et comme d'habitude, une aiguille à ligne. Vous savez aussi que personnellement, je suis une adepte des marqueurs. Alors, des marqueurs, il y en a de toutes les sortes dans le commerce. Dès qu'ils s'ouvrent pas, c'est pas les plus pratiques, honnêtement. Dès qu'ils s'ouvrent, dès comme ceci, dès comme cela, ou encore, et c'est aussi simple, des marqueurs que vous fabriquez vous-même avec un fil de couleur contrastante par rapport à votre ouvrage. Et vous pouvez fabriquer ces marqueurs le plus simplement du monde et les utiliser comme des marqueurs qui ne s'ouvrent pas, mais aussi comme des marqueurs qui s'ouvrent, donc c'est parfait. Alors après, pour la capuche, vous allez avoir trois possibilités. La première possibilité, ça sera celle qui fait que, enfin, que vous choisirez, pardon, si vous n'êtes pas suffisamment équipé, vous allez choisir de fermer la capuche avec une couture au point arrière. Donc dans ce cas-là, votre aiguille à laine et votre fil vous suffira. Et vous trouverez dans ma playlist Apprendre à tricoter une vidéo qui vous détaille le point, la couture au point arrière. L'autre possibilité, c'est donc vous avez les deux aiguilles avec lesquelles vous avez tricoté votre ouvrage. Et je vais faire, en ce qui me concerne, un rabattage à trois aiguilles, ce qui nécessite une troisième aiguille. Cette troisième aiguille n'est pas forcément de la bonne taille, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'au moment du rabattage, vos mailles soient en attente sur deux aiguilles et que celle qu'on utilise pour tricoter et rabattre en même temps soit celle de l'ouvrage. La bonne taille, en l'occurrence, moi 6. Mais vous avez une autre possibilité, donc toujours vos deux aiguilles pour tricoter, et une aiguille circulaire. Elle aussi, elle n'est pas obligée d'être du bon diamètre, c'est pas un problème. Et là, on va faire aussi avec ça un rabattage à trois aiguilles, mais grâce à cette aiguille circulaire qui, par définition, est double pointe, ça va vraiment beaucoup vous faciliter votre travail. Ah, j'ai les chiens qui s'énervent. Donc l'objectif, ça ne va pas être du tout de tricoter en circulaire, absolument pas. Ce qui va nous intéresser dans les aiguilles circulaires, c'est le fait qu'il y ait un câble entre les deux, ce qui permet de diviser le travail en deux très facilement, et le fait qu'elle soit double pointe, ce qui nous évite beaucoup de manipulation. Alors, à propos des aiguilles, donc le diamètre que vous voulez, ça c'est pas un souci, mais parlons de la longueur des aiguilles. Il y a un moment où on va avoir toutes ces mailles sur les aiguilles. Ça signifie que si vous avez la possibilité, choisissez plutôt des aiguilles qui soient longues plutôt que des aiguilles courtes. Parce que très honnêtement, si vous faites du 18 ou du 24 mois avec un fil un peu gros, et que vous avez des aiguilles qui font à peine 30 cm, ça va être un petit peu compliqué. Donc si vous avez le choix, le mieux, c'est tout de même d'avoir des aiguilles qui soient longues. Bon, je vous avais dit que j'avais quand même pas mal de choses à vous raconter. Voilà qui est fait. Donc on va pouvoir attaquer ce paletot. On va attaquer bien sûr par les calculs. Alors j'ai eu quelques messages me disant, oulala, mais qu'est-ce que c'est compliqué tous ces calculs. Pour être tout à fait honnête, ce sont des multiplications. On fait plusieurs multiplications. Et on n'a pas vraiment le choix parce qu'il n'y a quasiment aucune chance que vous vouliez tricoter ce paletot avec exactement les mêmes aiguilles que les miennes, exactement le même fil et en plus en 6 mois aussi. Et même si vous le faisiez, notre façon de tricoter sera suffisamment différente pour que vous n'obteniez pas le même résultat. Donc inévitablement, il va y avoir quelques calculs. C'est le prix de la liberté pour pouvoir tricoter ce qu'on veut avec les aiguilles et le fil qu'on veut. Voilà à quoi correspond le premier dessin, parce que j'ai choisi de mettre ce patron en deux dessins. Le premier, c'est la première partie qu'on va tricoter. Donc le dos, les manches. À ce stade-là, ensuite, on va laisser des mailles en attente pour faire la deuxième partie de l'ouvrage et on va continuer notre première partie. On termine les manches et on fait le demi-devant avec les boutonnières, elles sont là. Ensuite, on reprendra les mailles qu'on a laissées en attente et on fera la deuxième partie. Généralement, sur les patrons, on met tout l'ouvrage. On dessine la totalité de l'ouvrage. Mais je trouvais que c'était moins lisible. Donc, vous avez un dessin qui correspond à la première partie et un dessin qui correspond à la deuxième partie. Je pense que ça peut quand même faciliter les choses. Ben, tout simplement, quand on n'a pas l'habitude déjà des patrons. Et ensuite, des patrons d'un ouvrage qui se tricote en une seule pièce avec
deux pièces qui se superposent, puisque le demi-devant ici va venir se superposer sur une partie du demi-devant ici. Voilà qui est dit. Bon, et ben je crois que du coup, on peut attaquer notre ouvrage. Alors, je commence par noter mon échantillon avec des aiguilles 6 au point mousse. Mon échantillon est de 14,5 mailles pour la largeur et 29 rangs pour la hauteur. Donc, c'est là que vous notez votre propre échantillon que vous avez fait au point mousse avec votre fil et vos aiguilles. Ensuite, je divise mes dimensions par 10. Donc, 11,5, ça fait 1,15. 0,2 ici. 0,45, etc. Alors pour les calculs, les dimensions qui se trouvent en largeur sur mon dessin, je vais les calculer avec les 14 mailles et demi pour 10 cm. Et les dimensions qui sont en hauteur sur mon dessin, je vais les calculer avec le nombre de rangs pour 10 cm, soit 29 pour moi. Donc on va commencer par le nombre de mailles à monter, 2,7 fois 14,5. Je trouve 39,15, donc je vais bien sûr arrondir. Et ici, le nombre de mailles à monter peut être pair ou impair, ça n'a pas d'importance. Il y aura une règle, mais après seulement. Là, pour l'instant, c'est comme on veut. Donc moi, je vais arrondir à 40. Pour les manches, donc ici, c'est au niveau, c'est le nombre de mailles pour les manches. 1,6 fois 14,5. Je trouve 23,2. Là aussi, je peux arrondir à un nombre pair ou un nombre impair. C'est un petit paletot, on a tendance à retourner les manches. Donc je vais arrondir à 24 parce que si c'est une ou deux mailles trop long, ce n'est pas très grave. 24 pour une manche et 24 pour l'autre manche. Pour le col, on va d'abord utiliser la dimension totale du col. 1,15. 1,15 fois 14,5. Ça me fait 16,67. Est-ce que j'ai l'impression que c'est bizarre? Attends. Marc, j'en ai tricoté tellement que je ne sais plus. Oui, c'est ça. 16,67. Alors, pour la règle de l'arrondi, il y en a une à appliquer. Ici, si vous avez un nombre de mailles paires à monter, le nombre de mailles du col sera pair. Si ici, le nombre de mailles à monter est impair, ici, vous devez arrondir à un nombre impair. Donc, moi, c'est pair. J'ai 16,67. J'arrondis donc à 16. Sur le col, on va avoir une petite répartition. Il va y avoir le nombre de mailles qui correspond à cette partie-là du paletot. C'est la partie, en fait, où les devants vont venir en superposition. Et on aura une petite partie, c'est-à-dire celle-là, qui fait pour moi 2 cm, où il n'y aura pas de superposition. Donc, je vais calculer combien de mailles j'aurai à ce moment-là. Alors, 0,2 fois 14,5. 2,9, et eh bien j'arrondis à 3. Pour les dimensions qui utilisent la largeur, c'est bon, on est OK. On passe au reste. Ici, 1,6, mais cette fois-ci, fois 29. 46,4. Tout ce qui concerne la hauteur, le nombre de rangs, c'est toujours un nombre pair, pour tout le monde et tout le temps. Enfin, et tout le temps, sauf si le catalogue que vous suivez vous dit l'inverse, mais je ne suis pas sûre de l'avoir jamais vu. Alors 46,4, j'arrondis à 46 rangs. Et j'ai la même chose ici. Pour la 2,1 fois 29, ça me fait 60,9. J'arrondis à 60. On passe de ce côté. En fait, 21 cm, donc 60 rangs pour moi, c'est la totalité. Je suis complètement de travers là, oui. C'est la totalité ici. On va prendre 60, on va le diviser par 2 pour avoir le nombre de rangs qu'on a sur la moitié de la manche. Alors 60 divisé par 2, ça fait 30. Donc pour une moitié de manche, j'ai 30 rangs. Maintenant on passe au nombre de rangs ici, donc ça correspond en réalité à la profondeur du col. 0,45 fois 29, ça me fait 13,5. Donc là c'est pareil, on est sur la hauteur, on reste sur un nombre de rangs pair. Donc je vais noter 14 rangs. Et je vais pouvoir déduire ce qu'il me reste ici. Si j'ai 30 rangs au départ sur une moitié et que sur l'autre moitié, je vais déjà en utiliser 14 pour l'encolure. Je fais 30 moins 14, 16. J'aurai 16 rangs
pour cette partie-là. Ben, mon dessin n'est pas vraiment à l'échelle. Alors, est-ce qu'on est bon? Oui, a priori, oui. Alors, avec mes aiguilles 6, je vais monter 40 mailles. Puis, je vais tricoter 46 rangs au point mousse. Ensuite, on se reverra pour les manches. Les manches font 60 rangs en tout. Je vais commencer par augmenter d'un côté 24 mailles, augmenter de l'autre côté 24 mailles, tricoter 30 rangs, et puis le reste après, ça sera l'encolure, etc. Donc là, ben, je fais ça. Je monte mes 40 mailles, je tricote 46 rangs, et puis on se revoit pour faire les manches. S'il me manque une petite bricole quand même. Si mon col fait 16 mailles en tout et que j'ai 3 mailles qui sont ici, combien est-ce qu'il m'en reste de ce côté? Eh bien, 16 moins 3, ça fait 13. Voilà, alors ce nombre de mailles ici, c'est de là jusque-là, c'est assez important. C'est donc la partie en superposition et ça va nous permettre de répartir correctement toutes nos petites boutonnières. Donc c'est important vraiment de pouvoir marquer le nombre de mailles que ça concerne. Là, cette fois-ci, je crois que c'est bon. Oui, j'étais en train de monter mes mailles et puis tout à coup, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un petit truc. Donc monter les mailles, vous savez le faire, hein, puisque je le montre dans l'échantillon. Donc ça, c'est pas tellement pour vous montrer la technique pour monter les mailles, mais plutôt pour le fil perdu. Ici, j'ai besoin de fil perdu qui va me permettre de monter les mailles d'une part et de faire la couture du côté d'autre part. Donc il faut que je garde une certaine longueur de fil avant même de commencer à monter les mailles. Je garde en général 2,5 fois la dimension pour monter les mailles, plus en couture au point arrière qui prend quand même pas mal de fil, je vais garder 3 fois la longueur de couture. Donc moi, ça m'a fait 1,60 m de fil que j'ai gardé avant de monter ma première maille. La deuxième chose, comme je monte 40 mailles, c'est pas énorme, mais vous allez peut-être en monter 80, je ne sais pas quelle est votre grosseur de fil. Ce que je fais, c'est que je mets un petit marqueur toutes les 10 mailles. Et ce marqueur, je l'enlèverai quand je tricoterai mon premier rang de point mousse. Hein, il ne reste pas. Donc là, j'en suis à 2, 4, 6, 8. Vous voyez, c'est plus facile pour recompter. On a deux. Ah ben, bien vu. On a deux comptages à faire que sur au maximum 10 mailles, ce qui est déjà pas mal. Alors 8, 9 et 10. Je glisse un marqueur, ça peut être un bout de laine, enfin peu importe. Tu vois que je ne vais pas y arriver ici. Et je continue à monter mes mailles comme ça, de cette façon. Si je suis interrompue, pas de souci, je n'ai pas tout à recompter. L'autre chose, c'est que on va donc tricoter quasiment, oui, c'est en une pièce. On va faire ça, là voilà, ensuite cette partie-là. Et quand on va rabattre, évidemment, on va aussi garder, enfin, il y aura aussi du fil perdu, forcément. Là, par contre, je le barre, ça signifie que je n'ai pas besoin de garder de longueur de fil perdu importante, juste assez pour pouvoir rentrer le fil dans la couture, c'est-à-dire à peu près 20 cm. Alors qu'ici, j'ai laissé à peu près 160 cm, 1,60 m. Voilà, je crois que cette fois-ci, on est OK. À tout à l'heure. Bon, j'ai fini de les monter, les mailles. Donc ça, c'est le fil qui mène à la pelote, et ça, c'est le fil perdu qui me reste. Donc vous voyez, il en reste pas mal. Et ben, parce que, hop, je recommence. Vous le voyez ici, le fil perdu, ça peut être perturbant, mais c'est parce que quand je vais attaquer mon premier rang, le fil perdu sera bien de ce côté. Voyez-vous ce que je veux dire? Pas facile, hein, les mouvements dans l'espace. Donc après, voilà, moi je fais un petit truc comme ça. Je le noue un petit peu. Et alors l'avantage de ce fil perdu, enfin c'est le cas que vous en gardiez beaucoup ou pas, mais ce qu'il y a de bien d'en garder beaucoup, c'est qu'on peut prévoir la couture avec. Ça fait tout de même un fil de moins à rentrer. Et l'autre chose, c'est que quand vous montez les mailles, comme je le montre dans Tricoter compte un échantillon, votre fil perdu, je vais y arriver. Quand il est de ce côté-là, là, en début de rang, vers la pointe de l'aiguille, ça veut dire que vous allez attaquer un rang impair. Et ça, c'est quand même relativement important. D'autant plus qu'on est au point mousse. Et au point mousse, l'endroit du travail est exactement identique à l'envers du travail. C'est-à-dire que les rangs impairs ressemblent aux rangs pairs. Et c'est un problème. C'est un problème parce qu'il faut absolument que vous sachiez quand est-ce que vous êtes sur un rang impair, sur l'endroit du travail, ou quand vous êtes sur un rang pair, c'est-à-dire l'envers du travail. Lorsque le fil perdu est en début de rang, comme ceci, vous allez attaquer, vous êtes sur le point de faire un rang impair, vous êtes donc sur l'endroit du travail. Au bout d'un moment, vous verrez que comme ce fil perdu sera très bas dans l'ouvrage et que moi je serai quelque part par là,
Ce que je ferai, c'est que lorsque je serai sur un rang impair, je viendrai mettre un petit fil de couleur. Je vous le montrerai le moment venu pour bien me repérer. Et je le referai surtout quand on fera la deuxième partie. Parce que pair, impair avec du point mousse et en plus en attaquant une deuxième partie qui n'est pas tout à fait solidaire de la première, ça va devenir compliqué de se repérer. Donc tout ça pour vous dire tout ça. Donc finalement, je croyais que j'avais fini, mais j'avais pas mal de choses à vous dire. Repérez-vous bien, gardez bien à l'esprit quand est-ce que vous êtes sur l'endroit ou l'envers du travail. Ça sera nécessaire notamment pour faire les augmentations et quand on sera pour faire les boutonnières aussi. Est-ce que je suis sur l'aller ou est-ce que je suis sur le retour? C'est une question qui sera assez importante et ça le sera encore plus quand on fera la deuxième partie. Donc le fil perdu ne servira plus de repère, ça sera pas commode. On vient d'en mettre un petit fil de couleur contrastante sur l'endroit du travail pour pouvoir se repérer en permanence. Cette fois-ci, c'est sûr, j'attaque mes 46 rangs de points mousse. Quand je vais tricoter le premier rang, ces marqueurs, je vais les enlever, évidemment. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ouais, peut-être. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Hop. Ça y est, j'ai tricoté mes 46 rangs. Voilà où on en est. Donc, si je me mets devant mon patron, je vois que pour faire les manches, je dois augmenter de 24 mailles d'un côté et de 24 mailles de l'autre. À partir du moment où on veut augmenter un groupe de mailles, plus d'une maille, en bord de rang, on ne peut pas le faire en un seul rang. Je vais d'abord augmenter donc mes 24 mailles sur l'aller, sur le rang numéro 1, tricoter le rang numéro 1, et sur le retour, sur le rang numéro 2, je vais augmenter de 24 mailles. Ce qui fait que sur les 30 rangs que j'ai à faire ici, j'aurai déjà donc fait 2 rangs après avoir fait les augmentations. Alors pour me faciliter la vie, pour faire mes augmentations et pour faciliter le comptage, j'utilise des petits marqueurs que je mets en début de rang avant de faire les augmentations. Alors pour faire mes 24 augmentations, je vais utiliser la méthode du montage tricoté. Pour me faciliter les choses, je mets d'abord un marqueur. Les 24 mailles, ça sera à partir du marqueur. Je vais me servir de la maille précédente pour monter la première maille. Donc je pique dans la maille précédente, tout à fait normalement pour la tricoter à l'endroit. Pour ces 24 augmentations-là, je vous recommande de quand même bien serrer, bien tirer sur le fil. Je tricote normalement ma maille, mais au lieu de la garder sur l'aiguille de droite, je vais la repositionner sur l'aiguille de gauche, mais je vais faire une petite torsion, comme ceci. Et je tire. Voilà, j'en ai augmenté une. Je pique dans la maille, la première maille qui se présente de l'aiguille de gauche. Je la tricote. Et je la repositionne sur l'aiguille de gauche en faisant une torsion. Et je tire. 2. Et je continue. Je pique dans la première maille qui se présente. Je tricote. Et je remets sur l'aiguille de gauche en faisant une torsion. Et je tire. Ah, là, j'ai piqué à l'intérieur du fil. Ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Encore, bon, décidément. Voilà, ça y est. Donc là, quand on sait plus où on en est, ben, c'est pas très compliqué. On compte à partir du marqueur 2, 4, 6. Il m'en reste 18. 18 augmentations à faire. Et 18. Veillez à bien former quand vous reposez la maille. Là, je tire un peu, qu'elle soit bien sur la grosse partie de l'aiguille et pas sur la pointe, hein, sinon le diamètre de la maille sera pas le bon. Et je contrôle. 18, 20. Donc j'ai dû, je vais recompter parce que du coup je sais plus. 18 et 20. Bon, mais j'en ai fait deux de trop. Donc c'est pas compliqué. J'en fais tomber une et j'en fais tomber une autre. Voilà, donc je viens de faire mes 24 augmentations en début de rang. Je vais tricoter mon rang numéro 1 jusqu'au bout, tout à fait normalement. Donc là, vous constaterez que les mailles n'ont pas tout à fait la même tenue, sont pas tout à fait comme d'habitude, c'est normal, hein, elles ne sont pas montées normalement avec un double fil. Attends, j'ai un peu serré là quand même, voilà.
Donc, faut pas s'inquiéter de ça. En plus, c'est une partie qui sera dans la couture. Une couture au point arrière, donc ça ne se verra absolument pas. Voilà, j'arrive vers mon marqueur que je vais laisser tomber. Et là, vous remarquerez que la maille qui était avant le marqueur, elle a encore moins de tenue que les autres, elle est encore plus lâche, il y a même un petit trou. Ça, on s'en occupera quand on fera la couture au point arrière. Moi, j'ai l'habitude, chaque fois que je fais des coutures, de faire un petit peu du cache-misère là où c'est nécessaire. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ça non plus. Allez, je tricote mon rang numéro 1 jusqu'à la fin. J'arrive à la fin de mon rang 1. Et avant d'attaquer le rang 2, donc le petit marqueur qui va bien. Et là, pareil, je vais faire 24 augmentations. Donc je prends la maille qui est juste avant, je la pique normalement, je la tricote, je la repositionne. dix-sept et normalement dix-huit. Je contrôle. deux, seize et dix-huit. Parfait. Et je tricote mon rang numéro 2. Voilà, j'arrive au marqueur. Je l'enlève. Et voyez, même chose que de l'autre côté. Une maille qui n'est pas très bien tenue. Moi, je suis la championne du cache-misère au moment des coutures. Enfin, de toute façon, je vais vous dire, quand je fais des augmentations comme ça sur le bord, j'ai utilisé plusieurs méthodes. Il y a toujours un problème de finition qui n'est pas parfaite, mais bon, c'est une couture, hein, donc il ne faut pas trop s'alarmer. Et l'autre chose aussi, c'est quand on monte les mailles, non, quand on rabat les mailles, pas quand on les monte, vous avez toujours la première maille qui est super lâche. Ben là, c'est pareil, au moment de la couture, moi, je suis la reine du cache-misère. Pareil, quand on sépare les ouvrages en deux, c'est ce qui va se passer là tout à l'heure, puisqu'on fait la partie 1 en premier et la partie 2 ensuite. On va donc tricoter les deux côtés séparément et donc on va devoir mettre un nouveau fil. Et vous verrez que moi j'ai beau m'appliquer, j'ai beau faire comme il faut. Ben... Donc après, je vous montrerai comment je fais mon petit cache-misère. Bon, allez, j'en avance un petit peu. Là, j'arrive sur la partie des 24 mailles augmentées. Vous voyez, c'est le deuxième rang, donc ça y est, les mailles sont normales. Il n'y a plus de soucis. Et voilà mon rang numéro 2 qui est terminé. Allez, on regarde ce que ça donne. Tac. Alors là, maintenant, on a quand même pas mal de mailles sur les aiguilles. C'est une des raisons pour lesquelles je vous conseillais d'utiliser des aiguilles qui sont longues ou d'utiliser des aiguilles circulaires et de tricoter avec en aller-retour. Bon, là, moi, ça va être gérable, mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup pour des aiguilles qui font à peu près 30 cm. Tiens, ben on va en profiter pour mettre un petit repère. Là, je sais que je suis sur l'endroit parce que je vais attaquer mon rang numéro 3 et qu'en plus, j'ai le fil perdu qui est du côté du début du rang, mais on va quand même mettre un repère que je déplacerai régulièrement pour bien garder en tête l'endroit du travailleur. Et donc, je prends un marqueur qui s'ouvre. Vous pourriez prendre un fil de couleur contrastante et puis je vais le glisser dans une maille. Hop! Et puis de temps en temps, je le ferai remonter. Ça, c'est juste pour bien voir, sans avoir à chercher ça, que je suis sur un rang impair. Alors, regardons un petit peu où on en est. On vient de faire ça, là. J'avais 30 rangs en tout. J'en ai fait 2 pour faire mes augmentations. J'ai donc 28 rangs à tricoter. Et alors là, c'est la partie un petit peu longue de l'ouvrage. C'est là où on a le plus de mailles sur les aiguilles. Les 28 rangs, je pense que je vais les sentir passer. D'autant plus que, voilà, au point mousse, moi, c'est pas mon... C'est pas vraiment ma tasse de thé, mais bon. Je fais donc mes 28 rangs et puis on se retrouve, ça sera le moment un petit peu pour s'occuper de l'encolure et puis de diviser précisément le travail en deux. Alors, comment vous dire? Bon, vous, ceux qui me connaissent sont un petit peu habitués à ce genre de mésaventures. Ceux qui ne me connaissent pas feraient bien de s'y habituer dès maintenant. Comprenons-nous bien, vous avez bien entendu que j'ai monté 18 mailles et non pas 24.
J'ai tricoté quelques rangs et je trouvais que les manches étaient un peu courtes. Et bien effectivement, je ne sais pas pourquoi, j'en ai monté 18 et pas 24. Je me suis dit que ce n'était pas inintéressant comme expérience parce que voilà ce que j'ai fait. J'ai retiré l'aiguille et là, je me contente pour l'instant de défaire les rangs. Alors, je veux vous le montrer parce qu'il faut un petit peu dédramatiser ce moment fatidique qui arrivera inévitablement. Alors, à vous, beaucoup moins souvent qu'à moi parce que je suppose que vous n'avez pas les mêmes problèmes de concentration que les miens, mais ça vous arrivera. Voilà, c'est comme ça, faut s'y faire. Et voilà, il faut dédramatiser un petit peu. Donc, je défais. Je ne m'inquiète pas pour l'instant. Hop. Alors, c'est triste hein, parce que ça va me faire du boulot en plus. Voilà. Non, encore un. Bon, d'accord. Ok. Donc là, je vais tenir. Là, je suis sur le fin de rang. Attends, elle est là, mon aiguille. D'accord? Donc ça, c'est les deuxièmes augmentations que j'ai faites. Donc, ce n'est pas encore le moment de remettre mon aiguille. Hop. Je tourne. Et là, par contre, ça va être le moment où je vais remettre mon aiguille. Donc, ce qui va se passer, c'est en défaisant, il faut que je fasse attention que la première maille soit pas trop défaite. Donc, je mets mon pouce dessous. Je tire. Voilà. Là, elle s'est un petit peu défaite, mais je peux encore la récupérer. Si, bah tiens, non, je vais faire comme si je ne pouvais pas la récupérer. Je vais carrément la défaire. Parce que ça aussi, ça vous arrivera. Voilà la première maille. Je sais que je l'ai défaite deux fois parce que le fil est avec la deuxième. Or, le fil devrait être dans la première. Mais c'est pas grave. Je vais mettre mon aiguille dedans. Pour le reste, il faut que. Alors, déjà, je vous encourage à aller voir une vidéo que j'ai faite sur. Je crois que ça s'appelle. Vous aurez le lien là qui va s'afficher quelque part par là. Maille torse, brin avant, brin arrière, c'est une vidéo dans laquelle je traite de ce sujet. Les mailles ont un sens, on ne les remet pas n'importe comment sur l'aiguille. On les prend par l'arrière de sorte à ce que le brin avant et le brin arrière soient bien à leur place. Quand on arrive à les remettre comme il faut sur l'aiguille, ça nous évite d'avoir à les remettre au fur et à mesure qu'on tricote. Mais si toutefois elles n'étaient pas comme il faut, ce qui va être le cas ici, je ne vais pas la prendre dans le bon sens. Je vous montrerai comment on peut les remettre. Donc, on ne panique pas. Ah si, tiens, l'autre chose qui est intéressante. Je remonte mes mailles sur des aiguilles normales, sur les bonnes aiguilles, les aiguilles que j'utilise pour tricoter. L'idéal, en fait, c'est de les remettre sur des doubles pointes ou des aiguilles circulaires qui sont, par exemple, taille 4. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez moins de mal à les enfiler. Et ensuite, parce que comme elles sont double pointe, vous n'êtes pas obligé de les réenfiler sur une autre aiguille pour partir dans le bon sens. Bref, tout ça pour vous dire que vous verrez que dans la plupart de mes tutos, je fais allusion à un moment ou à un autre aux aiguilles circulaires. Moi, j'en ai toute une tripotée. Je ne tricote pas du tout en circulaire. J'ai dû tricoter une fois, peut-être en circulaire, et c'est même pas sûr. C'est pas une technique qui pour l'instant m'intéresse. Mais les aiguilles circulaires me servent sans cesse. Là, vous voyez, c'est un peu gros hein, comme aiguille. Hein. C'est un peu difficile pour les remettre, les mailles. Et vous notez que je pose mon pouce sous la maille que je dois saisir ensuite. C'est quand même un bon moyen pour pas qu'elle foute le camp. Alors je me méfie un petit peu parce que autant récupérer des mailles qu'on a perdues sur du jersey, je trouve que c'est assez facile de les reconstruire. Autant sur du point mousse, franchement, moi je trouve ça galère. Donc s'il y a un point sur lequel il vaut mieux éviter de perdre une maille, c'est bien le point mousse. Ça commence à devenir chaud là, j'ai du mal à attraper la maille du bon côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les rentrer, pas de la bonne façon, parce que je trouve que ça devient trop risqué. Mes aiguilles sont trop grosses. Enfin trop grosses, elles ne sont pas trop grosses. Je tricote en 6 au lieu de 7, mais ça ne me facilite pas la tâche. Donc je ne les remets pas dans le bon sens là. C'est pas très grave. Je les remettrai au fur et à mesure que je tricote. Bon, je vais accélérer un peu là parce que. Sinon, j'y suis demain. Donc là, il est 23h30 et j'entends mon mari qui rentre de son service. Donc, vous voyez. Donc, pourquoi c'est bien de les monter sur des aiguilles double pointe ou circulaires qu'on utilise en aller-retour? Parce que là, vous voyez, mon fil, il n'est pas du bon côté. Donc, je suis obligée maintenant de transvaser mes mailles sur la bonne aiguille. Sur la bonne aiguille que j'ai pas. Oh, putain. Je vais chercher une aiguille. Oh non. Voilà qui est fait. Donc maintenant, je vais être obligée de remettre les mailles sur la bonne, sur l'aiguille pour qu'elles soient dans le bon sens. Et là, si je tire, je vois que c'est le brin arrière qui se présente en premier.
Le bras avant est légèrement en retrait. Ça veut dire que ma maille n'est pas correctement mise. Donc je suis obligée du coup de la remettre correctement avant que de la glisser sur mon aiguille. Alors, tout ça pour vous dire que c'est toujours mieux de remettre vos mailles correctement au fur et à mesure. Mais si ce n'est pas le cas, vous voyez, c'est pas très compliqué de le remettre correctement, soit quand vous les passez sur la bonne aiguille, soit simplement quand vous la tricotez. Avant de la saisir pour la tricoter à l'endroit, si vous étiez avec des aiguilles par exemple double pointe et que vous n'ayez pas besoin de les remettre sur la bonne aiguille, eh bien vous avez toujours la possibilité de remettre les mailles dans le bon sens. Alors, je continue et puis je veux vous montrer. Donc là, tiens, celle-là, elle se présente bien. Le bras avant, quand je tire, c'est lui qui arrive en premier. Le bras arrière, il est légèrement en retrait. Attends, il faudrait que je vous montre comme il faut. Le bras arrière est légèrement en retrait, alors que le bras avant se présente en premier vers la pointe, cette pointe-là. Vous voyez? Hop. C'est ça le bon sens d'une maille. Et donc là, je vois tout de suite qu'elles sont dans le bon sens. Par contre, ce fil, il a tendance un peu à se dédoubler. Ou... Il est bien, il est plutôt agréable à tricoter, mais on pique assez facilement dans la fibre. Du coup, je ne suis pas sûre que ce soit bien un fil pour débutants. Enfin bon, de toute façon, j'ai l'intention de faire un test sur certains fils à tricoter. Je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, j'arrive à la fin. Tiens, celle-là, elle n'est pas dans le bon sens. Le bras arrière, qui est là, se présente en premier pour être attrapé. Et c'est pas ce que je veux. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon aussi. Là, c'est bon. Et donc, dans le fil derrière, hop. Cette première maille là, elle a été détricotée deux fois. Je le sais donc puisque mon fil est sur la maille précédente. Eh bien, il suffit du coup que je la tricote. Et me voilà maintenant dans le bon sens. Et je vais donc mettre un marqueur, rajouter mes 24 mailles et non pas 18, faire mon rang numéro 1, début de rang numéro 2, mettre un marqueur, faire mes 24 augmentations et finir mon rang numéro 2, puis bien sûr tricoter les 28 rangs qui me manquent et puis on se voit. À ce moment-là, c'est-à-dire demain, parce que je ne crois pas que je vais filmer à 2 h du matin. Allez, à plus tard. Voilà, donc finalement, après quelques péripéties, j'ai effectivement tricoté les 30 rangs que j'avais à faire. Donc j'ai beaucoup de mailles, évidemment, sur mes aiguilles. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai des aiguilles un peu courtes, comme ça, je mets un petit bouchon pour éviter qu'elles tombent. L'autre chose, vous voyez le marqueur que j'ai mis là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Pour savoir plus facilement si je suis sur l'endroit ou l'envers du travail, j'ai la possibilité de vérifier ça. Et je trouve que c'est plus facile de mettre un marqueur et de bien se repérer. Et j'en remettrai un d'ailleurs quand je tricoterai la deuxième partie de l'ouvrage. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pour l'instant, moi, il me reste une petite partie à faire de 14 rangs où je ne vais tricoter que jusqu'au début de l'encolure. C'est le moment donc où on va mettre des mailles en attente, ça sera ce qui correspond à la deuxième partie qu'on tricotera plus tard, et on va donc tricoter la première partie. Ce petit marqueur, je l'ai symbolisé en rouge, il est ici, et ça sera notre repère pour dire que c'est la fin du rang. Voilà, je tricoterai dorénavant jusqu'au marqueur, en tout cas pour les 14 rangs qui suivent. Il faut donc que j'arrive à savoir à combien de mailles du début du rang se trouve ce marqueur. Donc pour ça, il faut faire un petit calcul. Alors, hop, comment faire pour bien faire? Déjà, première chose, combien est-ce que j'ai de mailles en tout actuellement sur mes aiguilles? Eh bien, j'ai les 24 mailles de ma manche, plus les 40 mailles de mon dos, plus les 24 mailles de la deuxième manche. J'ai actuellement 88 mailles sur mes aiguilles. Sur ces 88 mailles, je sais qu'il y a 16 mailles qui sont consacrées à l'encolure. Donc je fais 88 moins 16. Ça me donne 72 mailles que je vais diviser par 2. J'ai donc 36 mailles ici, 16 ici et j'aurai 36 mailles ici. Alors du coup, moi j'aime autant le noter. De là jusque-là, j'ai 36 mailles. Ça signifie que mon marqueur, je vais le poser juste après la 36e maille depuis le début du rang. Alors ce coup-ci, j'ai décidé de me fabriquer moi-même un petit marqueur pour vous montrer pour ceux et celles qui n'en ont pas acheté dans le commerce. Ouais, je vais y arriver peut-être.
Donc là, j'ai pris un fil de couleur relativement contrastante. Je vais compter 36 mailles. 2, 4, 36. Et juste après la 36e maille, je glisse le fil qui est donc juste autour de mon aiguille. Le fil n'est pas pris dans une maille. Je dois pouvoir enlever mon marqueur quand je veux sans avoir à couper le fil. Un petit nœud. Je coupe ce qui dépasse et voilà. Alors je vais recompter et puis je vais vraiment recompter puisque j'ai un peu tendance à me planter au niveau des chiffres quand je ne recompte pas correctement. De 34 et 36, donc c'est bon. Donc je vais tricoter ces 36 premières mailles pendant 14 rangs au point mousse. Alors au début, le petit marqueur qu'on a mis il va bien vous servir pour vous repérer évidemment, hein, pour savoir quand est-ce que vous avez tricoté le nombre de mailles et qu'il faut donc tourner l'ouvrage, mais au bout d'un moment, vous verrez, il y a un décalage de hauteur entre la partie que vous êtes en train de tricoter et la partie que vous laissez en attente sur les aiguilles, donc du coup, vous pourrez l'enlever. Alors, je tricote jusqu'au marqueur. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Mon marqueur est ici. Et bien, tout simplement, je tourne mon ouvrage. Hop. Et j'attaque mon rang numéro 2. Et voilà. Donc j'en suis au rang numéro 2. Ben, j'en ai 14 en tout à tricoter. Et puis après, on se retrouve. Ça sera le moment de continuer la manche, mais de commencer le demi-devant au niveau de la partie du col, évidemment, et surtout de commencer les boutonnières. Donc on aura quelques petits calculs à faire là aussi. Allez, à tout à l'heure. Donc j'en suis là et j'ai tricoté 13 rangs seulement parce qu'avant de tricoter mon 14e rang, j'avais une petite bricole à vous montrer. Donc pour tricoter mon 14e rang, je tourne et je tricote de ce côté. Je vous rappelle que le marqueur, c'est juste pour l'endroit du travail. Bref, c'est pas là que je voulais en venir. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc toutes les mailles qui sont ici, voilà, je les garde sur l'aiguille de gauche en attente. Et ça peut ne pas être très pratique, honnêtement. Alors, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, parce que je suis équipée, j'ai l'habitude, quand ça commence à faire un petit peu trop lourd ou à me gêner, à les mettre en attente sur une aiguille avec un câble, parce que c'est très souple et que du coup, ça ne me gênera pas, quelle que soit la taille de l'aiguille, d'ailleurs, ça n'a strictement aucune importance. Et donc, je les passe comme ça sur une aiguille circulaire, de sorte à être moins gênée. Donc, je fais ça. Ensuite, je tricote mon 14e rang. Et puis on se retrouve après. Je suis en train de regarder le fil, là je suis en train de regarder ce que je fais évidemment. Et j'ai un gros doute là sur cette laine Julia là. Parce que je vois que juste en la manipulant un peu, enfin un peu, je tricote avec, donc je la manipule bien un petit peu, mais elle commence à s'ébouriffer un peu, elle commence... J'ai des gros doutes au lavage. Alors on verra ce que ça donnera, mais très honnêtement... J'ai le sentiment que c'est un fil qui est... Alors, il est super agréable à tricoter, il est doux. Mais, ouais. Ça fait que quelques jours que je l'ai en main, que je tricote quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Et déjà, enfin, je ne sais pas si on le voit, mais ça commence à vachement s'ébouriffer. Et c'est généralement, c'est pas très bon signe quand même. Bref, bon, allez, j'accélère. Hop. Un petit bouchon d'un côté. Un petit bouchon de l'autre, je tourne mon ouvrage et je tricote mon 14e et dernier rang pour cette partie là en tout cas. Et voilà qui est fait. Ok, donc si je me mets, est-ce qu'on va y arriver? Oui, si je me mets face au dessin, je suis arrivée ici. Voilà, j'ai tout ça là, la manche, l'encolure, ok? Donc maintenant, on va attaquer ces 16 rangs ici et les 46 rangs ici. Je vais les remettre de ce côté, comme ça, on saura où on campe. Voilà. Et on a pas mal de choses à faire. Alors, on va regarder ça de plus près. D'abord, sur les 16 rangs. Sur ces 16 rangs-là, j'aurai au minimum deux choses à faire. Sur les deux premiers rangs, il va falloir que je fasse l'augmentation. Attends, je vais mettre mon aiguille. Ça sera peut-être plus simple. Voilà, sur les deux premiers rangs, donc à l'aller,
on voit que j'ai une augmentation à faire en fin de rang. Vous savez que quand j'augmente de plusieurs mailles, c'est pas sur le rang aller, mais sur le rang retour que je le fais. Donc rang 1, je le tricote. Rang 2, j'augmente 13 plus 3, donc 16 mailles. Donc ça sera le début. Ça va pas là. Je recommence. On va oublier ça. J'ai donc 16 rangs à faire. Sur les deux premiers rangs, je vais faire l'augmentation ici et poser mon marqueur. Sur les deux derniers rangs de ces 16 rangs, donc rangs 15 et 16, il faudra que je vienne rabattre la manche. Mais en plus, entre-temps, regardez, j'ai déjà des boutonnières à poser. Et ces boutonnières, je vais devoir les positionner, j'allais dire en X, enfin, en longitudinale, à l'horizontale, je veux dire, savoir si je veux qu'elles soient près du bord ou pas, mais aussi savoir combien de boutonnières je mets. Et donc, tout le nombre de rangs, je vais y arriver, qu'il y aura entre chaque boutonnière. Ce qui signifie que je suis obligée, dès le départ, de prendre en considération non seulement ces 16 rangs-là, mais aussi ces 46 rangs-là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, on va prendre un petit tableau. Alors, ce tableau, comme d'habitude, sous la vidéo dans la barre d'infos, vous aurez des liens vers toutes les vidéos dont vous pourriez avoir besoin et vous aurez un lien vers un tableau qui est sous forme de photo que vous pouvez imprimer. Donc, c'est un tableau de 200 rangs. Évidemment qu'on n'a pas besoin de 200 rangs puisque j'en ai 16 et 46 en ce qui me concerne. Mais au moins, déjà comme ça, il est déjà fait et c'est déjà pas mal. Donc, première chose, je m'équipe de mon petit tableau. Deuxième chose, je vais distinguer les 16 rangs qui concernent cette partie et les 46 rangs qui concernent le reste. Donc moi je mets du fluo, après vous voyez comment vous faites. Alors 16, ça va s'arrêter là. Voilà. Ok. Tac, tac. Et ensuite 46 rangs. Donc 16 plus 46. Jusqu'au rang 62. 16 plus 46, j'ai un doute. Si c'est ça, 62. Donc je vais aller, hop, jusqu'ici. Ok, maintenant, sur ces 16 rangs, je vous disais qu'il y avait deux rangs où il fallait que je fasse attention. Les deux premiers, je vais devoir faire la bande de boutonnage, pardon. Et deux rangs où il va falloir que je vienne rabattre les mailles de la manche. Donc, les deux premiers rangs seront concernés, hop, par les augmentations. Et les deux derniers rangs, le rang 15 et 16, seront concernés par cette diminution. Je change de couleur. Alors, ça va être la joie au niveau des couleurs. On va bien s'amuser. Je dois positionner mes boutonnières. Sur quel rang je vais faire mes boutonnières, sachant que j'ai 62 rangs en tout pour les répartir. Première chose, moi j'ai choisi de mettre 6 boutons, donc 3 dans ce sens-là et 2 à chaque fois évidemment. Deuxième chose, je vous conseille vivement de positionner vos boutonnières sur un rang impair. Pour faire la boutonnière, on va faire un jeté suivi ou précédé de 2 mailles ensemble à l'endroit. Lorsqu'on fait 2 mailles ensemble à l'endroit, sur l'arrière du travail, il y a une petite boucle qui se forme, enfin c'est pas super esthétique. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de le faire sur un rang impair. De cette façon, ce petit fil un petit peu distendu sera sur l'envers du travail et ne se verra pas. Donc, première chose, où est-ce que je vais positionner mes boutonnières? Donc, moi, la première boutonnière, je vais la positionner sur le rang numéro 3. La dernière, je voudrais quand même qu'elle soit à quelques rangs de la fin. C'est un paletot, ce n'est pas un gilet. Je n'ai pas envie que ce soit boutonné vraiment jusqu'au bas. Donc, je vais réfléchir pour voir où est-ce que je positionne la dernière. Et ensuite, je mettrai l'intermédiaire exactement au milieu. Donc, je calcule ça et on voit ça ensemble après. Bon, alors, bien sûr, j'ai changé d'avis entre-temps. Donc, ça sera sur le... La boutonnière sera sur le 5e rang, le 29e rang et le 53e rang en ce qui me concerne. Voilà, donc là, je vérifie. J'ai d'abord 16 rangs à faire. C'est la partie en orange. Sur le rang 1 et le rang 2, c'est là où je vais faire mes augmentations pour la bande de boutonnage. Tricoter jusqu'au rang 15 et 16, c'est là que je viendrai rabattre les mailles de la manche. Je n'oublierai pas au rang numéro 5 de venir positionner mes boutonnières. Ensuite, je suis uniquement sur cette partie-là que je vais tricoter tout droit en posant des boutonnières sur le rang 29 et le rang 53.
Donc maintenant, il va falloir qu'on parle des boutonnières elles-mêmes et qu'on les prévoie, qu'on prévoie la façon dont on va les faire. Et après, on n'aura plus qu'à se lancer, il n'y aura plus de soucis. Donc en totalité ici, rappelez-vous, j'ai 16 mailles. Et la bande de boutonnage, elle, est sur 13 mailles. J'ai 3 mailles que je laisse de côté ici. Donc j'ai 13 mailles pour répartir mes deux boutonnières. Donc là, on va procéder en 3 étapes. La première étape, je vais venir faire mon augmentation ici. La deuxième étape, je vais tricoter le rang 3 et le rang 4 tout à fait normalement. Et la troisième étape, sur le rang numéro 5, c'est là qu'on va venir calculer la répartition des boutonnières, mais cette fois-ci au niveau horizontal, pas au niveau du nombre de rangs. Donc première chose, je tricote le rang 1 et 2. Rang 1 jusqu'au bout, rang 2, je fais mon augmentation et je fais mon augmentation de 16 mailles. 13 plus 3. Donc je tricote d'abord mon rang numéro 1. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang numéro 1. Je tourne. Rang numéro 2, je commence par poser un marqueur. Hop, et je fais, donc j'ai 16 augmentations à faire. Alors les mêmes augmentations que pour la manche, c'est-à-dire une augmentation en maille tricotée. Et n'oubliez pas de bien tirer le fil ici, hein, quand vous le faites. Je termine mes augmentations. Je contrôle le nombre de mailles que j'ai augmenté. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Et je tricote tout à fait normalement mon rang numéro 2. Je termine mon rang 2 et ensuite, donc, j'ai le rang 3 et 4 à tricoter tout à fait normalement sur la totalité de mes mailles. Voilà, je termine mon rang 4. Je vais attaquer le rang numéro 5 et c'est précisément sur ce rang-là que je dois faire mes premières boutonnières. Donc on va voir comment on les positionne. Alors, je me mets exactement dans le sens du patron. On est ici. Je sais que sur les 16 mailles que je viens d'augmenter, il n'y a que 13 mailles qui vont être consacrées à la bande de boutonnage. Je vais donc poser un marqueur après la 13e maille en partant de la fin de mon rang. 2. 4, 6, 8, 10, 12 et 1, 13. Voilà. Je mets ce marqueur-là et je le laisserai. Alors, il est autour de l'aiguille, mais je le ferai suivre tout le long. Donc, maintenant, il me reste à savoir comment je vais positionner ces deux boutonnières sur les 13 mailles que j'ai personnellement en tout. Donc, si je regarde les choses comme ça se fera sur l'allée. J'ai mon marqueur ici, je le symbolise en rouge et j'ai ensuite 13 mailles. Donc je vais les numéroter dans ce sens-là. 1, 2, 3. Voilà 13 mailles. La question est où est-ce que je veux le trou? Alors le trou, il faut savoir le trou de la boutonnière, je veux dire, on appelle ça un jour en réalité. Il faut savoir que c'est le jeté. Le jeté, il aura deux fonctions. La première, ça sera de faire un trou parce que sur le rang suivant, on va le tricoter par le brin avant, je vais vous expliquer, c'est ce qui va faire que ce jeté va se transformer en petit jour. Mais la deuxième chose aussi, c'est qu'un jeté rajoute une maille, donc il est toujours suivi ou précédé d'une diminution. En l'occurrence, nous, ça sera deux mailles ensemble à l'endroit qui viendront compenser cette augmentation qu'on aura faite à cause du jeté. Mais n'allons pas trop vite. La première chose que je dois savoir, c'est à quel endroit est-ce que je veux le trou. Vous voyez, là je les ai mis au bord mais pas trop. Pareil ici, au bord mais pas trop. Donc je vais décider par exemple, en venant donc on vient dans ce sens-là, après le marqueur, je voudrais avoir un trou de ce côté. Et sur le bord, là, je veux laisser au moins 2 mailles aussi avant de faire mon petit trou. Donc j'ai positionné un jeté ici et un jeté là. Ça signifie que tout de suite après ou tout de suite avant, ça c'est vous qui voyez, hein, je vais tricoter les deux mailles suivantes ici ensemble à l'endroit. Et là, je ne vais pas tricoter les deux mailles suivantes, je vais tricoter les deux mailles précédant mon jeté ensemble à l'endroit. Maintenant, vérifions. J'ai une, deux, j'aurai une troisième maille ici puisque je vais en rajouter une, je vais faire un jeté. Une, deux, trois. Ces mailles-là vont en faire qu'une, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. J'aurai bien toujours 13 mailles une fois que j'aurai fait mes jetés et mes diminutions.
Donc je vais tricoter mon rang tout à l'endroit jusqu'à mon marqueur, tricoter les deux premières mailles, faire un jeté, tricoter les deux mailles suivantes à l'endroit, ensuite tricoter 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, 5 mailles, puis deux mailles ensemble, faire un jeté et tricoter les deux dernières mailles avant la fin du rang. Donc je suis bien sur mon rang numéro 5 et la première chose que je fais, c'est de tricoter mes mailles jusqu'au marqueur. J'arrive vers mon marqueur. Je le fais passer sur l'autre aiguille parce que je vais le garder jusqu'à la fin. Et maintenant, je tricote les deux premières mailles normalement à l'endroit. Une, deux. Ensuite, c'est le moment de faire mon jeté. Faire un jeté, c'est tout simplement enrouler, rajouter une maille sur les aiguilles. J'ai peur que ça tombe tout ça, là. Ça m'agace. Voilà. Rajouter une maille sur les aiguilles en enroulant l'aiguille. Donc mon fil est derrière, il passe devant et il revient derrière. Vous voyez? Voilà, j'ai rajouté une maille. Ensuite, je tricote les deux mailles suivantes ensemble à l'endroit. Donc je tire un peu dessous, je pique mon aiguille dans les deux mailles suivantes ensemble et je tricote tout à fait normalement. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Et 5. Ensuite, deux mailles ensemble à l'endroit. Donc je tire dessous, je passe mon aiguille dans les deux mailles. Hop, et je la tricote tout à fait normalement. Ensuite, un jeté. Mon fil est derrière, il passe devant, il revient derrière. J'ai rajouté une maille. Puis, les deux dernières mailles, le plus simplement du monde. Voilà, j'ai fait le rang numéro 5. Maintenant, je vais faire le rang numéro 6. Hop, et je vais vous montrer comment ça se fait que cette maille en plus, ce jeté qu'on a fait, puisse former un petit jour. Alors ça va, le jeté va former un petit jour tout simplement parce qu'on va le tricoter de façon tout à fait normale. Quand on tricote une maille, on prend le brin qui est vers nous, on pique dedans et on tricote. Eh bien on va faire la même chose avec le jeté. Vous voyez, il est là, le jeté, on le voit, il n'est pas tenu. Je vais la piquer ce jeté comme si c'était une maille normale et tricoter. Et je continue. En gros, le rang suivant, vous tricotez tout simplement toutes les mailles à l'endroit. Comme on le fait d'habitude, que ce soit un jeté ou le résultat des deux mailles ensemble à l'endroit, peu importe, c'est la même chose. On tricote toutes les mailles pareilles. Voilà un jeté, le deuxième donc, et je le tricote normalement. Puis, je termine mon rang numéro 6, je garde bien mon marqueur en place. Hop. Voilà, je termine mon rang 6. Et avant de faire le rang numéro 7, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc là, ça roulotte un petit peu, voilà. Et voilà les jours que ça a fait. Donc là, il me reste, je vais faire le rang 7. Donc j'ai tout ça à faire jusqu'au rang 14 inclus. On se verra sur le rang 15 et 16 pour faire les diminutions, donc pour terminer la manche. Rien de particulier, à part que sur le rang numéro 7, quand je vais tricoter juste au-dessus des jetés, là, des jours, les mailles seront aussi un petit peu lâches, elles seront un petit peu souples. Il ne faut pas que ça vous inquiète, c'est tout à fait normal. C'est ce qui se passe quand on fait un jeté, les deux rangs suivants, enfin le rang suivant, le jeté est carrément pas tenu du tout. Mais encore un rang suivant, vous verrez, la maille est un petit peu souple, ça peut vous surprendre, mais il n'y a pas de problème. Allez, je termine, je vais jusqu'au rang numéro 14, et puis on se revoit pour le rang 15 et 16. Voilà, j'ai tricoté jusqu'au rang 14 inclus, donc il me reste le rang 15 et 16 à faire, je me mets. Face à mon patron, donc le rang 15 et 16, c'est pour venir diminuer ici, pour terminer la manche. Donc on voit qu'on va rabattre des mailles en début de rang. Combien de mailles on va rabattre? Eh bien 24. D'accord? J'aurais peut-être pu le noter en haut d'ailleurs. Hop, ça sera peut-être plus simple. Je vais rabattre 24 mailles sur l'allée, terminer mon rang et revenir. Donc la première chose à faire, c'est, ça y est, je l'ai perdu, non, il est là, c'est de mettre un marqueur après la 24e maille depuis le début du rang. 24, je mets mon marqueur et je contrôle. 22, 24, ok. Donc rang numéro 15, je rabats les 24 premières mailles.
puis je finis mon rang, rang numéro 16. Je tricote tout à fait normalement mon rang. Alors je vous montre comment rabattre des mailles parce que pour votre échantillon, dans la vidéo sur l'échantillon, je conseille de ne pas forcément rabattre les mailles de l'échantillon. Du coup, il n'est pas certain que vous sachiez rabattre. Pour rabattre une maille, il faut toujours en tricoter deux, en avoir deux sur l'aiguille de droite. J'en tricote donc deux et je fais passer la première tricotée par-dessus la deuxième tricotée. Je tricote une maille de plus pour en avoir deux et je fais passer la première tricotée par-dessus la dernière tricotée. Alors le truc, c'est d'essayer de rabattre en étant tout de même relativement souple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'agripper à ce fil, il ne faut pas tirer dessus comme un âne. En même temps, il faut tout de même le tenir parce que regardez, hop, quand je rabats ici, ce qui empêche cette maille de tomber, c'est le fait que je la tienne. Alors c'est un juste équilibre entre trop tirer et pas assez. Hop. Donc je continue. Moi je ne suis pas la championne du monde pour rabattre de manière assez souple, j'ai tendance à beaucoup tirer, ce qui fait que pour certains ouvrages, là ça, la question ne se pose pas, mais sur certains ouvrages, je rabats avec des aiguilles plus grosses, de sorte que même si je tire un petit peu sur le fil, comme l'aiguille est plus grosse, le rabattage reste relativement souple. Allez, je vais jusqu'à mon marqueur et on verra comment on rabat la 24e maille. Voilà, j'arrive vers mon marqueur. Donc je rabats celle-ci. Et là, c'est ma 24e maille que je dois rabattre. Comme il m'en faut deux pour en rabattre une, j'enlève mon marqueur et je vais chercher une maille de l'autre côté. Voilà, j'ai rabattu ma 24e maille. Donc maintenant, je tricote tout à fait normalement mon rang jusqu'à la fin. Je garde mon marqueur en place. C'est celui qui est le marqueur pour la bande de boutonnage. Je continue. Voilà, mon rang 15 est terminé. Je tricote mon rang 16 sur les mailles qui me restent. Ok, donc 15 et 16, c'est fait. Là, vous voyez, je change de couleur. Pourquoi? Parce que je viens de finir la manche. Maintenant, je vais faire cette partie-là. Sur cette partie-là, je n'ai rien de particulier à faire jusqu'au rang numéro 29 où je vais de nouveau faire une boutonnière. Donc, je tricote du rang 17 au rang 28. Toujours tout droit, sans rien faire de particulier, puis on se retrouve après. Oui, juste une petite chose, vous pourriez vous demander, après avoir rabattu les mailles, combien il y a de mailles ici. Et bien, on peut le calculer. Quand j'avais toute ma largeur, j'avais 36 mailles, hop, 36 plus 16. Ça faisait 52 mailles, et j'en ai rabattu 24, moins 24. Donc, de là à là, j'ai 28 mailles. Donc de là à là, j'ai 28 mailles et j'ai un marqueur à 13 mailles de la fin pour ma partie boutonnière. Ok, donc j'ai tricoté jusqu'au rang numéro 28. J'arrive au rang numéro 29. Je dois donc faire mon rang de boutonnière ici. Donc souvenez-vous comment ça se passe. Ça, c'est mon marqueur. Quand je suis sur l'endroit du travail, je vais vous le préciser ici parce que ça aura son importance tout à l'heure. Hop. Quand je suis sur un rang impair et que je regarde mon travail, la fin de rang est ici et le début de rang est là. Donc ça, ce sont les mailles avant le marqueur. Là, c'est le marqueur et là, ce sont les mailles évidemment de ma boutonnière. Donc je commence par tricoter mes mailles jusqu'à mon marqueur. Ensuite, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Allez, je tricote jusqu'à mon marqueur. J'arrive à mon marqueur, je le passe. Donc maintenant, 2 mailles à l'endroit. Un jeté, le fil est derrière, il doit retourner derrière, puis 2 mailles ensemble à l'endroit, 5 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et enfin 2 mailles à l'endroit. Voilà, j'ai fait mon rang numéro
29. Donc je vais tricoter ben, tout à fait normalement toutes les mailles à l'endroit et ben, jusqu'à la fin, puisque le rang 53, je vais faire la même chose qu'au rang 29 et la même chose qu'au rang numéro 5. Là, le rang numéro 30, c'est le cas chaque fois que vous faites le retour après avoir fait vos jetés. Vous voyez les jetés, vous les tricotez normalement, comme si c'était une maille tout à fait classique, alors qu'elle ne l'est pas vraiment, puisqu'elle n'est pas tenue à sa base. Ok, donc ben, j'ai un petit peu de boulot, je m'arrête au rang 62. Je rabattrai, je ne vous le montre pas puisqu'on vient de voir à l'instant, enfin pour la manche, comment on rabattait. Tiens, il est là mon jeté, on le voit bien, hein. On ne peut pas le louper celui-là. S'il tombe ce jeté, imaginons qu'il tombe. Voilà, il est tombé. Vous venez le récupérer en passant votre aiguille devant. Il tombe. Je vais enlever ça, on y verra mieux. Le jeté est tombé, il est là. Je le récupère comme ceci. Ok. Voilà. Allez, donc je termine le devant et puis on passera à la deuxième partie de l'ouvrage. J'allais dire autre chose, mais je sais plus ce que c'est, donc du coup, je sais pas. C'est peut-être l'heure du café pour moi, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à m'exprimer. Je suis en train de regarder, ouais, je risque d'avoir un changement de pelote d'ici la fin de mon demi-devant. C'est bien dommage, j'espérais aller jusqu'au bout, mais je crois que ça ne va pas être possible. Donc là, la seule chose à laquelle il faut faire attention, bon, on privilégie le joint russe, évidemment. Mais l'autre chose à laquelle il faut faire attention, attends, je vais noter mes rangs parce que c'est le genre de plan, hein, vous avez remarqué que j'ai un peu tendance à... Voilà. Si je fais un changement de fil en bord de rang, donc joint russe en priorité, ce fil-là ne s'y prête pas très bien. Donc il vaut mieux que je change en bord de rang. Je change bien côté couture, pas côté boutonnière. Parce que là, on aura bien du mal à venir cacher discrètement des fils. D'accord? Côté couture, ça me permettra de camoufler le fil de changement de pelote dans la couture. Ou même, vous le faites lorsque vous êtes sur l'endroit du travail. Vous faites votre changement sur cette première partie-là. Et en fait, vous viendrez faire serpenter vos fils sur l'arrière du travail. Comme c'est du point mousse, ça ne se verra pas. Mais évitez absolument les bords où il n'y a pas de couture, les bords qui sont visibles. Même chose pour les manches. Ça serait dommage de venir faire un changement de pelote sur ce bord-là ou sur ce bord-là. Le mieux, c'est joint russe ou faire un changement en milieu, là, et venir faire serpenter les fils ensuite. Parce que là, de toute façon, vous n'aurez pas de couture, hein, ni là, ni là. Donc, il n'y a pas bien le choix. C'est le genre de choses qu'il vaut mieux prévoir à l'avance. Allez, je continue, je termine ça, et puis on passera à la deuxième partie de l'ouvrage, qui sera légèrement plus rapide, pour une raison très simple, c'est qu'on a déjà vu à peu près toutes les techniques possibles et imaginables sur la première partie. Du coup, ça ira tout de même beaucoup plus vite. Ok, donc j'ai terminé, oula, et je suis en train de finir de rabattre, et je réfléchissais, que quand on a rabattu les manches, on n'a pas eu à couper de fil. Donc, je voulais vous montrer comment on fait. Donc, voilà, je rabats la dernière maille possible. Je me retrouve avec une maille ici. Je l'agrandis, je passe ma main pour sécuriser. Et donc, souvenez-vous, sur la partie 1, on n'a pas besoin de fil perdu. On a besoin d'une vingtaine de centimètres qu'on viendra rentrer. Je coupe le fil. Je le rentre dans la boucle. Et je tire. Et voilà. Ok, donc la partie 1, on ne la voit pas entièrement, mais voilà, la partie 1 est terminée. Première chose, mon repère pour marquer l'endroit du travail. Rappelez-vous, l'endroit du travail, quand on monte les mailles comme je les monte, si on a le fil perdu en début de rang, c'est qu'on est sur un rang impair. Donc, pour la deuxième partie, il est très important de marquer l'endroit du travail. Donc, je le fais maintenant, au moins je suis sûre de ne pas oublier. Ensuite, on va commencer la deuxième partie avec un nouveau fil. Et donc, notre premier rang, notre rang impair, notre rang 1, je vais y arriver, sera comme ça. Donc, pour moi, il s'agit déjà de remettre toutes les mailles sur l'aiguille. Alors, l'avantage, justement, d'utiliser des aiguilles circulaires qui sont par définition double pointe, c'est que je vais pouvoir, je peux les mettre sur mon aiguille droite en passant par n'importe quel côté. Donc là, ce que je veux, c'est l'avoir ici. Donc je vais le tourner. On va y arriver. Si, si. Bougeons pas. Voilà. Tac. Et alors, pour remettre les mailles sur une aiguille, vous les prenez
comme pour la saisir, je sais pas comment on dit, à l'envers. Voilà, c'est ça. Les mots me manquent. Donc je fais ça, je mets toutes mes mailles qui étaient en attente sur mon aiguille et on se retrouve après. Ok, donc avant de récupérer le schéma de la partie 2, ce que je peux faire, parce que j'ai déjà les données sur la partie 1, c'est venir marquer l'encolure. Donc rappelez-vous, moi c'est 16 mailles, ça veut dire que je vais rabattre ces 16 premières mailles. Donc première chose, à partir du début du rang, je viens marquer les 16 premières mailles. 12, 14, 16. Je passe un marqueur. Voilà, ça signifie que la première chose que je vais faire quand je vais commencer ma partie 2, c'est que je vais commencer par rabattre ces 16 mailles-là. Maintenant, je prends mon schéma de la partie 2, justement, on a un petit peu de travail à faire dessus. Alors, je vous le dis, on se croirait quasiment à l'école. Voilà ma partie 1. Là, la partie 2, pour l'instant, je l'ai faite sur un calque pour que vous compreniez le principe. Tout ça a été fait. Pour éviter de surcharger le patron, très souvent on ne met pas la deuxième partie et on vous dit faites-le en sens inverse, faites-le en vis-à-vis. Et en général, c'est une grosse galère parce que voilà, c'est pas toujours évident de transposer des choses qu'on a faites ici et puis de les inverser. Donc voilà ce que je veux vous montrer ici. Ça, c'est la partie 2. Ok. Et donc vous voyez, cette partie-là, la partie boutonnière, ça vient se superposer. C'est la raison pour laquelle on ne met pas généralement. On pourrait, il suffirait de faire des pointillés pour montrer que ça se superpose. Mais bon, voilà. Moi, j'aime autant pas. Donc nous, on va tricoter. Alors attends, on en est où? On va tricoter tout ça. Tout ça. Tout le reste, c'est déjà fait. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, du coup, je prends ma vraie partie 2. Et ce que je vais faire, donc vous la mettez bien dans le bon sens, et ce que je vais faire, c'est que je vais reporter, pardon, tout ce que j'ai déjà calculé, je vais le reporter de ce côté, aussi simplement que ça. Non, normalement, il n'y a pas moyen d'inverser, on doit très bien y arriver. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Allez, je fais ça et puis on se retrouve. Voilà, ça y est, j'ai tout reporté. Il y a juste une petite bricole qui va changer. Souvenez-vous, on vient juste là de terminer la partie 1. Et donc, on n'a pas gardé de fil perdu puisque on n'a pas de couture à faire avec. C'est différent pour la partie 2. Ici, il faut garder du fil perdu pour faire toute cette couture-là. Donc, ça nous fait 16 x 2 pour moi, ça fait 32 cm. Je vais partir du principe que je vais faire la couture au point arrière. Je ne suis pas encore sûre. Peut-être que là, je vais le faire en couture invisible, je ne sais pas. Bref, au point arrière, c'est on multiplie par 3. Donc 32 x 3, 90, il faudrait que je laisse 1 mètre de fil perdu. Donc je le symbolise. Voilà. Sinon, pour le reste, c'est tout pareil. Donc là, on a déjà fait ceci-là. On a déjà mis notre marqueur pour rabattre les 16 mailles de l'encolure. Donc là, j'ai 14 rangs à faire sur les mailles qui sont après. Le marqueur. Donc, rang numéro 1, je rabats les 16 premières mailles et je continue dans la foulée, je tricote et je tricote donc 14 rangs pour faire cette petite partie-là. On voit ça ensemble juste parce qu'il y a un nouveau fil à prendre. Hein. Sinon, pour le reste, rabattre, c'est comme d'habitude et tricoter, ben, bien sûr, c'est comme d'habitude. Ça avance à rien ce que je viens de dire, on est quand même. On est bien d'accord. Mais bon, écoute, ça meuble un petit peu. Allez, on attaque. Oui, je suis en train de calculer. Je vais aller un peu vite. Je vous montre ce qu'il y a sous mon fameux tissu orange. C'est parce qu'en fait, entre deux rangs de tricot, eh ben, je fais des travaux, de la peinture, etc. Et là, j'ai une couche de peinture de plus à aller faire. Donc, on ne va pas s'éterniser, mais il n'y en a pas besoin normalement, logiquement. Attends, il faut que je trouve mon fil déjà pour commencer. Il est où? Il est là. Ok, donc les 16 premières marques, les 16 premières mailles en ce qui me concerne à rabattre. Je prends un nouveau fil et je le passe autour de mon aiguille, voilà, comme pour la tricoter. Et je garde quoi? 20 cm de fil perdu. Tenez les deux pour faire votre première maille, ça sera plus simple. Pour la deuxième maille, ne vous trompez pas de fil, ça c'est le fil perdu, on ne l'utilise pas. Voilà, j'en ai tricoté deux et je rabats. Et je continue. Donc ce qui va se passer là, c'est que
Cette première maille qui a été faite avec le nouveau fil va être un petit peu lâche. Ici, on va faire un petit peu de cache-misère au moment de la couture. Allez, je rabats mes 16 mailles. Voilà, j'arrive vers mon marqueur. Je rabats et la 16e maille pour la rabattre, je vais enlever mon marqueur dont je n'ai plus besoin et je me sers de la première maille qui vient. Ok. Donc là, ça y est, je suis en train de faire maintenant le premier de mes 14 rangs sur mes 36 mailles, si mes souvenirs sont exacts. Bref, là, j'ai 14 rangs à faire, donc je sais pas comment je vais m'organiser. En fait, j'ai pas le temps de les faire là. Bon, peut-être que je ferai ça ce soir très tard, on verra. Pour vous, ça change rien. Vous me retrouvez dans quelques secondes, dès que j'aurai fini ces 14 rangs. Ok, donc entre deux couches de peinture, j'ai réussi à faire mes 14 rangs. Donc, je viens de faire cette petite partie. Maintenant, il s'agit de faire tout ça. Donc là, on a un petit peu de boulot parce qu'on a l'empiècement à venir rajouter. Positionner non pas nos boutonnières cette fois-ci. Ce qui va se passer, c'est que là où j'avais des boutonnières de ce côté, ce que je vais faire moi, c'est que je vais mettre un petit repère exactement à la même place parce que quand je veux coudre des boutons, j'ai toujours énormément de mal à les positionner correctement. En mettant un petit repère, du coup, j'aurai pas de difficulté. Puisque c'est exactement la même chose que de ce côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser exactement le même tableau. Donc, quand j'avais fait mes rangs sur la partie 1 et que je les barre au fur et à mesure, je les fais relativement discrètement pour pas trop surcharger le petit tableau et je vais réutiliser le même. Quelle différence il va y avoir? Donc là, c'est le rang 1 et 2, c'est celui où on vient rajouter l'empiècement. Tout à l'heure, je l'avais rajouté sur la partie 1, j'avais fait mon rang numéro 1 et je tourne, je rajoute mes 16 mailles et puis ensuite je tricote, etc. Et les boutonnières, le repère était ici, le marqueur était là. Et j'arrivais comme ça pour faire mes boutonnières. Donc là, ça va être tout simplement l'inverse. Mes repères sont exactement au même endroit, mais la façon de voir les choses et de les faire sera un petit peu différente. Donc rang 1 et 2 de ces 16 rangs ici, je dois faire cet empiècement. Et bien, si je regarde par rapport à mon schéma, l'empiècement, il est de ce côté. Donc je vais commencer par rajouter mes 16 mailles, tricoter le rang 1, le rang 2, et aller donc jusqu'au rang 16. Et du coup, sur le rang numéro 5, j'ai non pas deux boutonnières, mais deux repères à placer à l'endroit des boutonnières. Donc il faudra que j'y fasse attention. Je m'arrêterai aussi à la fin du rang 14, puisque le rang 15 et 16, c'est le moment où je viens rabattre pour les manches. Donc tout ce qu'il faut, c'est être un petit peu organisé, garder le même tableau, le schéma pas loin, et chaque fois que vous avez un doute, vous mettez votre ouvrage face à votre schéma pour vérifier si vous venez travailler en début de rang ou en fin de rang, comme ça sera le cas pour ici. Et pour les premiers repères, je vous le montrerai, puisqu'on ne va pas attaquer notre marqueur est là. On n'arrivera pas comme ça, on arrivera de ce côté, mais ce qui revient très exactement au même. Allez, j'attaque. Donc, rang numéro 1, je viens rajouter 16 mailles. Donc, la première chose que je fais, évidemment, hop, c'est de mettre un petit marqueur, histoire de rajouter 16 mailles, et pas plus, et pas moins. Donc comme d'habitude, pour ajouter mes mailles, je fais un montage, ce qu'on appelle le montage tricoté. Je passe à l'intérieur de la fibre. Il n'est pas forcément super facile à tricoter ce fil. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de bien serrer à chaque fois que vous rajoutez une maille. Voilà, c'est la seule chose, parce que comme c'est l'empiècement de devant, il faut quand même que ce soit qu'il y ait de la tenue, hein, que ce ne soit pas trop souple. Et comme le montage tricoté, nos mailles, elles ne sont pas tout à fait comme des mailles normales, je veux éviter d'avoir un petit peu trop de souplesse à cet endroit-là. Donc je rajoute mes 16 mailles. Voilà la 16e. Je contrôle. 14, 16. Et donc avant de faire quoi que ce soit, j'ai 1, 2, 3, 4 rangs à tricoter au point mousse et ensuite on mettra notre repère pour repérer la bande de boutonnage. Donc je tricote 4 rangs tout à fait normalement au point mousse, sachant que la partie bande de boutonnage, les mailles
sont non seulement un petit peu serrées, mais un peu bizarres. Tiens, ce marqueur, j'en ai plus besoin. Voilà, ça fera ça de moins. Allez, 4 rangs de points mousse et on se retrouve pour mettre nos repères de boutonnière. Voilà, j'ai fait mes 4 premiers rangs au point mousse, c'est-à-dire ceci. J'arrive au moment où je dois faire la boutonnière. Donc première chose, les 16 mailles qui sont là, ce sont les 16 mailles qui sont ici, c'est celles que je viens de rajouter. Et rappelez-vous, en ce qui me concerne, la bande de boutonnage se situe dans les 13 premières mailles. Donc je vais mettre un petit marqueur, je vais compter 13 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 1, 13. Et je vais mettre un marqueur. Ok. Donc là, je vous le rappelle, il ne s'agit pas de faire la boutonnière, mais de mettre un repère de boutonnière. Du coup, je vais d'abord, si je suis un petit peu organisée, me préparer des marqueurs. Donc là, j'utilise un fil et une aiguille parce que chaque fois que je vous parle de marqueur, vous pouvez toujours le remplacer par un fil de couleur contrastante. En l'occurrence, ça sera rentré dans la maille, ça restera en place puisque ça sera le repère pour coudre le bouton plus tard. Donc ça, c'est prêt. Donc l'objectif sur la deuxième partie, c'est de venir mettre des repères exactement au même emplacement que si c'était des boutonnières pour pouvoir coudre les boutons à la bonne place. Donc sur la première partie, je vous rappelle que quand j'étais sur un rang impair, quand j'allais attaquer un rang impair, début de l'aiguille, début du rang ici, fin de rang ici, je commençais par tricoter des mailles, ensuite je rencontrais mon marqueur et j'ai posé mes jetés 2 mailles après le marqueur, donc le jeté est en troisième position, et 2 mailles avant le bord, donc mon jeté est aussi en troisième position. Ce qui fait que sur la deuxième partie, voilà mon aiguille quand j'attaque un rang impair, je vais mettre un repère sur la troisième maille du bord. Donc sur la troisième maille après le début et sur la troisième maille avant le marqueur. Voilà, donc j'ai préparé mes 2 repères à l'avance. Je tricote mes mailles jusqu'au marqueur. Voilà, j'y arrive. Je vais passer mon marqueur jaune parce que je veux vraiment qu'il reste. Je le fais suivre, hein, je ne veux pas qu'il y ait de soucis. 1, 2, 3, je passe mon aiguille ou le marqueur que vous avez acheté dans la maille elle-même. Ça restera en place. Voilà, vous voyez, c'est dans la maille. Un petit nœud au bout. Pareil, 1, 2, 3, la troisième. Ok, donc je viens de faire. Non, je suis en train de faire, je n'ai pas fini. Mon rang numéro 5. Ensuite, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je tricote toujours tout droit sans me préoccuper de rien. Simplement, j'oublie pas de faire suivre, de bien laisser mon marqueur jaune en place, celui qui détermine la place de la bande de boutonnage. Et puis, on se retrouve sur le rang 15 et 16. En l'occurrence, ça sera pour la manche. Voilà, donc je termine mon rang 5. Je vais jusqu'au rang 14 et puis on se retrouve après. Rang 15 et 16, c'est le moment où il va falloir que je rabatte 24 mailles pour fermer la manche. Donc je mets mon ouvrage devant mon patron et je m'aperçois que ces 24 mailles, ce sont les 24 mailles qui se trouvent en fin de rang. Et vous savez qu'on ne peut pas rabattre un groupe de mailles en fin de rang. Ça signifie que le rang 15, je vais le tricoter en entier et que c'est sur le rang 16, donc sur le retour, que je vais rabattre ces 24 mailles. Donc je commence d'abord par mettre un repère juste après la 24e maille en partant de la fin. Ok. Rang 15, je tricote la totalité du rang. Et si juste une petite chose, là je suis en train de faire mon 15e rang, de l'entamer. Ça c'est le repère pour me souvenir que je suis sur l'endroit du travail. Comme je vais rabattre des mailles pour les manches, ce que je vais faire c'est que je vais le déplacer pour pas perdre mon repère, qu'il soit bien visible en permanence. Voilà. Alors c'est sûr que ça fait pas mal de repères, mais quand c'est vous qui posez vos propres repères avec vos propres couleurs, en fait, ça va, hein, ça se gère parfaitement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, allez, je fais mon 15e rang et on se voit en début de 16e. Voilà, je termine mon rang 15. Ok, et c'est en début de 16e que je vais donc rabattre les 24 premières mailles. Donc, comme d'habitude, j'en tricote 2 et je rabats la première par-dessus la deuxième tricotée. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'arrive à mon petit marqueur.
Voilà, j'arrive vers mon marqueur. Pour abattre la 24e dernière maille, j'enlève le marqueur et je vais chercher une maille juste derrière. Ok, maintenant je termine mon rang 16. Voilà, le rang 16 est fait. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à tricoter, c'est toute cette partie-là, c'est-à-dire tout droit. Je l'avais déjà calculé tout à l'heure, j'ai donc 28 mailles de là à là. Alors, rang 15 et 16, c'est fait. Donc, c'est du rang 17 au rang 62 maintenant que je dois faire. Et j'aurai des repères à mettre pour savoir où poser mes boutons sur le rang 29 et le rang 53. Le reste du temps, je tricote en point mousse toujours tout droit, sans aucune difficulté particulière. Donc, je vais le faire. On va peut-être se retrouver sur le rang 29 ou le rang 53 pour que je vous remontre à nouveau comment marquer l'emplacement des boutons. Ça sera la même chose que sur le rang numéro 5, mais ça vous évitera de rembobiner la vidéo au bon endroit. Alors, peut-être sur le 29, peut-être sur le 53, je ne sais pas, parce que je ne vais pas tricoter ici, je vais descendre. J'aurai peut-être la flemme de remonter là, je remonterai peut-être que ici. On verra. Allez, eh ben j'attaque et puis à tout à l'heure. Alors, comme promis, je me suis arrêtée juste avant de faire le rang 53 pour venir marquer de nouveau l'emplacement des boutons. Donc, voici le début du rang, voici le début du rang, troisième maille du début du rang et 1, 2, troisième maille juste avant le marqueur. Donc, je le tricote d'abord. Ça y est, je suis emmêlée. Hop, voilà. Je tricote jusqu'à mon marqueur, comme ça sera fait. J'aurais pu marquer avant de tricoter, mais ça m'aurait décalé l'emplacement des boutons de un rang en fait par rapport au trou des boutonnières de la partie numéro 1. Voilà, j'ai tricoté jusqu'au marqueur, je laisse bien le marqueur en place. 1, 2, 3. Je rentre mon fil, peut-être. Voilà. 1, 2, 3 dans la maille. Un petit nœud. Voilà qui est fait. Ok. Je finis mon rang 53. Je tricote jusqu'au rang 62. Ensuite, il s'agira de rabattre. Et rappelez-vous, je dois garder suffisamment de fil pour faire la couture a priori au point arrière du côté et du dessous de la manche, sachant donc que ça me prend 3 fois la longueur de couture. J'avais calculé que ça me prenait à peu près mètre. Voilà, j'ai fini de rabattre, j'ai coupé mon fil à 1 mètre qui me servira pour la couture. Ok, donc là c'est bon, on va maintenant pouvoir attaquer le col. Alors je fais le col avant les coutures des côtés, je pense que c'est pas plus mal, mais vous pourriez parfaitement faire d'abord les coutures et le col ensuite. Avant d'attaquer ça, souvenez-vous, ce repère bleu, je l'utilise pour être sûr d'être sur l'endroit du travail. Je vais le déplacer et je vais le mettre, ça c'est la partie 1, vers le col de la partie 1, quelque part par là. Ça me servira de repère. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné le paletot comme si les boutons, comme si c'était fermé. D'accord? De cette façon, on voit bien que toute cette partie-là est en superposition. Ce fil-là, c'est le fil que j'ai utilisé pour rabattre. C'est là qu'on viendra faire un petit peu de cache-misère sur l'envers du travail. Ok. Donc ma capuche, en fait, elle va venir. Je vais venir relever des mailles sur le bord ici, sur la profondeur d'encolure, sur les mailles que j'ai rabattues derrière, profondeur d'encolure et les quelques mailles sur lesquelles je n'ai pas fait la bande de boutonnage. Bon, il fallait bien que ça arrive. Alors que je vous explique, j'ai filmé beaucoup. Et puis quand j'ai vérifié, j'avais le son, mais j'avais pas l'image. Donc, voilà. Ce qui fait que du coup, la capuche est faite. Alors c'est pas un problème parce que je vais tout défaire et le refaire. Et c'est quand même un problème parce que je reste persuadée que c'est un fil qui va pas supporter d'être détricoté plusieurs fois, plus le lavage. Enfin bon, on verra, on en discutera plus tard. Donc comme je vous le disais, l'objectif, c'est de venir relever des mailles. Première étape, je calcule combien de mailles je peux relever autour de l'encolure. Deuxième étape, je calcule combien de mailles il me faut pour faire la profondeur de la capuche. Car en fait, le nombre de mailles qu'on a là est bien plus important que celui qu'on a relevé au départ. On a donc réparti des augmentations. On tricote une certaine hauteur. Et ensuite, quand on va venir, on divisera en deux avec un repère. Et quand on viendra l'assembler, c'est ce qui fera la capuche. Je vous le montre. Sur une qui est finie,
Ici, ça a été divisé en deux et assemblé, et c'est ce qui fait la capuche. Donc, la première des choses à faire, c'est d'abord de calculer combien de mailles on peut relever. Ensuite, on va calculer combien de mailles on veut en tout pour pouvoir répartir des augmentations. Cette répartition d'augmentation, on la fera sur deux ou trois rangs. Vous verrez, il ne faut pas trop se paniquer là-dessus. Il se trouve que pour ce modèle-là, on a un petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir réaliser le nombre d'augmentations qu'il nous faut pour avoir une profondeur de capuche qui soit suffisante. Donc, ça ne sera pas vraiment un souci. Donc là, ce que je vais faire, c'est ben, défaire tout ça. Ce que je vais faire aussi, c'est vous encourager. Alors, comme j'ai déjà tout raconté, je ne sais plus exactement où j'en suis, mais j'ai fait une vidéo que vous trouverez dans ma playlist Apprendre à tricoter qui s'appelle Comment et combien relever de mailles. Cette vidéo, elle est là pour vous expliquer techniquement comment on relève les mailles, mais ça, c'est pas vraiment un souci. Ce qui est plus compliqué, c'est de comprendre qu'on ne peut pas relever autant de mailles que de rang qu'on rencontre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, on va relever des mailles sur des mailles. Donc, on va relever une maille pour une maille. Sur cette partie-là, ce sont des rangs. Si je relève, là, en l'occurrence, moi, j'ai 14 rangs. Je ne vais pas relever une maille par rang. Je vais faire un petit calcul qui est très facile au point mousse. En fait, je vais relever une maille tous les deux rangs. Sur l'arrière, j'ai 16 mailles, je vais relever 16 mailles. Et ici, sur le côté, de nouveau, 14 rangs, je ne relèverai donc que 7 mailles. Je divise le nombre de rangs par 2 parce qu'on est au point mousse. Dans la vidéo, je vous explique que pour le jersey, par exemple, c'est un autre calcul. Et devant, je vais relever des mailles sur des mailles. Donc, pour être plus à l'aise, peut-être qu'il vaudrait mieux avoir vu cette vidéo avant. Sinon, vous vous laissez porter, vous faites exactement ce que je fais. Et vous verrez, ça se passera tout seul. Donc, première étape, on va d'abord calculer combien de mailles on peut relever. La bande de boutonnage est en superposition, donc il faut comprendre qu'on ne va pas relever de mailles sur la bande de boutonnage. On va relever des mailles de part et d'autre, mais pas à ce niveau-là. Voilà, c'est ce que ça donne. Mon col, il est comme ça. Donc, je vous le disais, là, sur cette partie-là, pardon, hop là, j'ai 3 mailles, donc pareil de l'autre côté. Sur cette partie-là, sur le bord, j'ai 14 rangs. En face, pareil. Et sur l'arrière, j'ai 16 mailles. Donc là, ce sont des mailles. Et sur les côtés, ce sont des rangs. Là où j'ai des mailles, je vais relever des mailles. Donc 3 mailles, je pourrais relever 3 mailles. Ici, 3 mailles, je pourrais en relever 3. Ici, 16. Par contre, ici, j'ai 14 rangs, je vais le diviser par 2 et ça me donnera le nombre de mailles que je peux relever. 14 divisé par 2, ça fait 7 mailles. Pareil ici, 14 rangs parce qu'on est au point mousse, divisé par 2, ça fait 7 mailles. Donc en tout, je vais pouvoir relever 10, 20, 36 mailles. Donc de votre côté, vous comptez combien de mailles vous pouvez théoriquement relever. Alors ensuite, de ce nombre de mailles qu'on peut relever théoriquement, il faut qu'on arrive à calculer combien de mailles on veut en plus pour pouvoir faire la profondeur de la capuche. Donc pour ce tuto-là, ça sera 50%. Mais il se trouve qu'on peut utiliser un coefficient différent. Par exemple, sur celui-ci, je voulais une capuche qui ne soit pas trop profonde, je l'ai fait que de 40%. Et sur la déclinaison du tuto 22, ici, je n'ai rajouté que 20% de mailles en plus parce que je suis venue relever tout le long de la capuche des mailles pour faire une grande bande de point mousse que j'ai retournée. Et donc, j'ai récupéré ma profondeur de capuche grâce à cette bande de point mousse. Et pour le cas qui nous occupe, ce qu'on va faire, c'est rajouter 50% de mailles. Donc, plus 50%. 50% de 36, c'est 18. 18 mailles plus 36, ça fait, en ce qui me concerne, 54 mailles. Donc voilà comment ça va se passer. Je vais d'abord commencer par relever, a priori, 36 mailles. Je dis a priori parce qu'il y a quand même assez peu de chances que je tombe pile poil sur 36 et c'est tout à fait normal. Ensuite, je vais tricoter juste un rang de point mousse parce que je n'aime pas faire des augmentations sur les mailles que je viens de relever. Donc je tricoterai un rang de point mousse. Ensuite, je vais calculer combien il faut que je rajoute de mailles pour passer de 36, ou en tout cas du nombre de mailles que j'ai relevé, ça sera peut-être 35, 34, 37, je ne sais pas, pour arriver à mes 54 mailles. Je calculerai tous les combien il faut que je fasse une augmentation, et je ferai ça à peu près sur 2 ou 3 rangs. Vous verrez comment vous arrivez à vous débrouiller pour que vos augmentations soient faciles à faire. Donc, rang 1, je fais un rang de point mousse.
rang 2 et 3 au minimum, a priori je rajoute le nombre de mailles qui me manquent pour arriver à 54. Ce qui est important, c'est que le nombre de mailles que j'aurai avant de tricoter ma hauteur doit être absolument pair, puisqu'il faudra que je divise ma capuche en deux pour faire l'assemblage. Il me faut évidemment un nombre de mailles pair. Donc étape numéro 1, je vais venir relever mes 36 mailles tout autour de mon col. Mais avant ça, je vais défaire tout ce que je viens de faire, évidemment. Maintenant que j'ai défait, ça fait un peu des espaces là où j'avais relevé des mailles. Bon, on va se débrouiller comme ça. Quand on va venir relever des mailles, ça va faire un petit bourrelet disgracieux et on veut que ce bourrelet disgracieux soit sur l'envers du travail. C'est la raison pour laquelle je vous avais fait mettre un marqueur pour bien repérer l'endroit du travail. Alors moi, c'est d'autant plus simple que j'ai déjà les boutons, mais vous, c'est peut-être pas le cas. Comment se positionner? On va commencer par relever des mailles du côté où on a mis le marqueur, du côté des boutonnières. Donc moi, rappelez-vous, ma bande de boutonnage se superpose sur 13 mailles et je dois donc commencer à relever des mailles à 3 mailles ici. Donc je dois relever 1, 2, 3 mailles ici, 7 mailles, 16 mailles ici, 7 mailles sur le côté et hop là, c'est pas facile parce que les coutures sont déjà faites et 3 mailles juste avant la bande de boutonnage. Donc on va se positionner comme ça et on va venir relever des mailles sur le bord. Donc ici, une maille pour une maille. Voilà, je suis positionnée. L'endroit du travail est visible et je vais démarrer à 3 mailles du bord. Alors c'est là où vous allez paniquer un petit peu. Vous, c'est peut-être 4 ou 5 mailles, je ne sais pas. Il ne faut pas vous inquiéter. Rappelez-vous, on vérifiera combien de mailles on a réussi à relever et de toute façon, on rétablira les choses sur les 3 rangs suivants. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Donc 1, 2, 3, je glisse mon aiguille. Oh, celle-là, je ne vais peut-être pas la compter ici. Fais voir. Une. Alors une maille, c'est une boucle. Tac. 1, 2. Et 3, voilà, j'étais allé un petit peu loin. Allez, une maille, je repique le fil perdu d'un côté, j'entoure, je ressors, 2 mailles, le petit trou d'à côté, 3 mailles. Maintenant, je vais attaquer ici. Que je me positionne correctement, je vais venir relever des mailles sur des rangs. Donc vous savez qu'on relève une maille pour deux rangs. Alors ça va pas être super compliqué puisque deux rangs, c'est cette barre là. Ça veut dire deux rangs. D'accord? Donc je vais pouvoir relever une maille entre chaque barre, comme ceci. Alors je me positionne juste avant la première barre. Je relève une maille. Je vais le tourner mon ouvrage aussi un petit peu. Ensuite, entre deux barres. Je continue. J'ai pas très envie de parler aujourd'hui. Je suis en train de réaliser, moi qui suis si bavarde d'habitude. Hop. De toute façon, dès qu'on dédramatise un peu la situation, parce qu'on sait qu'on va pouvoir rétablir les choses après, en fait, le seul souci, c'est de se tenir à peu près toujours au même endroit par rapport au bord, de sorte à ce que ce soit régulier. Le nombre de mailles, à deux mailles près, il ne va pas falloir s'inquiéter. Voilà, j'arrive à l'angle. Donc maintenant, il s'agit de relever une maille chaque fois que je trouve une maille. Alors, ce qu'il y a de bien là où on a rabattu, ça, ce sont les mailles que j'ai rabattues pour le dos. Ça fait un petit V. Eh bien, on va passer sous le petit V. Ici, c'est là où il y a mon fil perdu que je dois rentrer tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a un petit espace qui est un petit peu grand, mais c'est normal. C'est parce que je n'ai pas encore rentré le fil. Enfin, je l'avais rentré, mais j'étais obligée de le défaire. Donc, voilà mon petit V. Je me mets dessous. Je fais attention de ne pas confondre. Et je relève une maille. Le petit V d'à côté. Je passe dessous et je relève une maille. Et je continue comme ça, hein, sur toute la longueur que j'ai rabattue. Alors là, des fois, vous allez vous dire, mais est-ce que je suis rentrée sous le V ou sous le précédent? Ben, vous tirez un petit peu, vous regardez où est votre fil, et vous allez bien sous la maille suivante. Et là, du coup, j'ai un doute. Voilà, ici.
Le tout, c'est de pas trop en relever. Je veux dire, moi, il m'en faut 36. Si j'en ai 38, c'est pas très grave. Si j'en ai 48, ça va être un petit peu plus problématique. Et encore que, bon. Ouais, si. Non, il vaut mieux quand même s'approcher du nombre de mailles que vous êtes supposé relever à 2 ou 3 mailles près. Allez, je continue. Les mailles sont un petit peu serrées sur l'aiguille, c'est tout à fait normal. Quand on relève des mailles, on a tendance à tirer sur le fil. Donc vous verrez que le premier rang de points mousse que vous allez tricoter, il sera un tout petit peu raide. Alors, j'en suis où? Encore un peu. Voilà la dernière. Maintenant, j'arrive sur la partie rang. Donc, je vais relever, comme tout à l'heure, une maille tous les deux rangs. Maintenant, je tricote un rang toutes les mailles à l'endroit. Alors, c'est un petit peu particulier de tricoter sur des mailles qui ont été relevées parce qu'elles ne sont pas tenues comme elles le sont habituellement. Mais c'est pas, faut pas que ça vous inquiète, c'est tout à fait normal. Voilà, je termine de tricoter ce rang de points mousse. Si vous voyez ma dernière maille, elle est très lâche, c'est normal, elle correspond au fil perdu. Pas celui-là, si celui-là, non, l'autre. Donc elle n'est pas tenue. Donc faites attention de ne pas la faire tomber. Voilà, on serre un petit peu. Ok, donc maintenant je vais compter combien j'ai de mailles sur mes aiguilles. Donc je viens de compter et c'est sans surprise, j'ai 38 mailles. Bon, c'est pas très grave. Il m'en faut 54 en tout. Donc combien est-ce que je dois faire d'augmentation? 54 moins 38. Je pourrais le faire de tête, hein, on est bien d'accord. Hein. Hop, 16 mailles. Il faut que en deux ou trois rangs, je rajoute 16 mailles sur les 38 que j'ai, en plus des 38 que j'ai, de sorte à en avoir 54 sur mes aiguilles. Et vraiment un nombre pair, sinon après on ne pourra pas le diviser en deux. Alors moi je préfère faire mes augmentations en plusieurs rangs, en plusieurs étapes, tout simplement parce que je ne suis pas pressée. Il y a des ouvrages où on vous demande de faire X augmentations, par exemple ben 16 augmentations sur un rang, il faut être un peu plus précis. Là, ce n'est pas le cas. J'ai deux ou trois rangs devant moi pour arriver à avoir mes 54 mailles en plus. Alors, comment est-ce que je calcule? Si je dois rajouter 16 mailles, ça veut dire que j'aurai 17 intervalles. Ça signifie que je vais diviser 38, le nombre de mailles que j'ai actuellement, par 17. Pour rajouter mon nombre de mailles en un rang, il faudrait que je tricote 2,23 mailles, puis que je fasse une augmentation. Alors déjà, première chose, tricoter 2,23 mailles, ça ne va pas être possible. Et ensuite, là, je me laisse aucune marge de manœuvre, c'est-à-dire que je le fais en un seul rang. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'arrondis toujours au nombre de mailles au-dessus. Donc 2,23, je vais faire 3. Je vais faire une augmentation toutes les 3 mailles. Si vous aviez ici 1,57, vous diriez, je vais faire une augmentation toutes les 2 mailles. Ce qui veut dire que sur mon premier rang, je ne vais pas avoir mes 16 augmentations en tout, puisque si je fais 38 divisé par 3, je trouve 12,66. En gros, j'aurais augmenté de 12 mailles. Mais ce n'est pas grave, je continuerai sur le rang d'après. Donc vous avez compris, là j'ai 16 mailles, ça veut dire que j'ai 17 intervalles. Je prends donc mon nombre de mailles divisé par le nombre d'intervalles. Ça me dit 2,23. Donc sur le rang 1, je vais tricoter 3 mailles, une augmentation, 3 mailles, une augmentation, 3 mailles, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Ensuite, je contrôle combien j'ai de mailles sur mes aiguilles. Combien il m'en manque pour arriver jusqu'à 54 et je compléterai, je referai un petit calcul pour augmenter le nombre de mailles qui me manquent. Alors, il y a plein de façons de faire des augmentations en cours de rang. Je vais vous montrer la façon que j'ai choisi d'utiliser, mais bien sûr, vous pouvez utiliser une autre méthode. Déjà, je commence par tricoter mes 3 mailles, une, deux, et regardez bien comment tombe la troisième. 3, je fais tomber ma maille. Et je vais directement la récupérer par le bras arrière. Puis je la tricote normalement. C'est-à-dire qu'il y a une petite tension. Elle est un petit peu raide, cette maille que je viens d'augmenter. Je recommence. Une, deux, trois. Et cette troisième maille que je fais tomber, je la récupère
par l'arrière. Et je la tricote normalement. Je vais faire un plan un peu plus gros. Donc je tricote. Une. Deux. Trois. Et la maille que je laisse tomber, je vais la récupérer par l'arrière. Ensuite, je la tricote normalement par le brin avant, puisque je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on tricote nos mailles par le brin avant, hein. On pique comme ça. Une, deux, trois, je la laisse tomber et je la récupère. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Une, deux, trois, hop là. Je la récupère, je la tricote. Une, deux, trois, une augmentation. Et là, je peux plus en faire, donc je termine mon rang. Ensuite, je vais tricoter un rang de point mousse parce que je ne veux pas faire une deuxième série d'augmentation juste après. Pour une raison très simple, c'est que si le hasard fait que je dois faire une augmentation sur une maille que je viens juste d'augmenter, qui est déjà un petit peu raide, c'est ni très pratique ni très joli. Donc, je ne me préoccupe pas pour l'instant du nombre de mailles que j'ai, pardon. Je tricote un rang. Voilà, je termine mon rang. Je vais pouvoir compter le nombre de mailles que j'ai sur mes aiguilles, calculer combien il m'en manque et rajouter celles qui me manquent. Alors, j'ai 50 mailles. Il m'en fallait 54. Donc, il me reste 4 augmentations à faire. Si j'ai 4 augmentations à faire, ça signifie que j'aurai 5 intervalles. Et donc, je refais le même calcul que tout à l'heure. Bon, ben là, c'est facile. J'ai 50 mailles actuellement. Je le divise par le nombre d'intervalles que j'ai. Je vais tricoter 10 mailles, faire une augmentation, 10 mailles, une augmentation, etc. Et à la fin de mon rang, j'aurai normalement 54 mailles. Imaginons maintenant que vous ayez trop de mailles, c'est-à-dire que là, imaginons qu'au lieu d'en trouver 50, j'en trouve 58, alors qu'il m'en fallait que 54 au départ. Eh bien, c'est le même type de calcul. Vous vous dites, j'ai 4 mailles en trop, donc 5 intervalles, par exemple. Ça vous fait toutes les 10 mailles, vous tricoterez 2 mailles ensemble pour diminuer. L'objectif étant que sur le rang que je vais faire là, j'arrive au nombre de mailles que j'avais prévu initialement. Voilà, donc pas de panique. Pour une fois, on peut répartir des augmentations sur plusieurs rangs, ce qui nous permet un petit peu de prendre nos aises et de prendre quelques marges de sécurité. Donc je fais ça, je fais le rang suivant, je vais tricoter 10 mailles, rajouter une maille, 10 mailles, rajouter une maille, etc. Et ensuite, ça sera le moment de tricoter notre hauteur de capuche. Et en fonction de la taille, la hauteur ne sera pas la même, ça va de 19 à 24 cm, mais je vous dis ça après avoir fait mes dernières augmentations. Voilà, je viens de compter et j'ai bien 54 mailles. Donc on va un petit peu observer, là on est sur l'envers du travail, vous voyez le petit bourrelet quand j'ai relevé des mailles. Ici, c'est le fil perdu de quand j'avais rabattu, et si on regarde sur l'endroit du travail, on voit que ça fait un petit trou. Donc ce fil-là, quand je le rentrerai, je ferai du cache-misère. Hop là, je suis hors caméra. Je ferai du cache-misère. Ici, mes fils perdus de je ne sais plus quoi, ben, quand j'ai relevé des mailles, donc ce sont des fils que je viendrai cacher dans le petit bourrelet disgracieux. Sur l'endroit du travail, ça ne va pas trop mal. Donc vous regardez là où vous avez relevé des mailles, si vous voyez un endroit qui n'est pas très très joli, vous profiterez peut-être de votre fil perdu ici pour venir un petit peu faire du cache-misère, c'est comme ça qu'on fonctionne. Bon, donc maintenant j'ai mes 54 mailles sur mes aiguilles, l'objectif va être de tricoter toujours tout droit en point mousse, et en fonction de la taille, on ne tricote pas tout à fait la même hauteur. 3 mois 19 cm, donc c'est la hauteur de capuche. 6, 20, 12, 22 cm, 18 mois 23 cm et 24 mois 24 cm. Donc moi je suis sur du 6 mois. Je vais donc tricoter 20 cm en tout de point mousse. Vous pouvez éventuellement vous servir du petit bourrelet disgracieux pour mesurer. Hop, attends, si je trouve ma règle. Voilà, vous vous positionnez au niveau du petit bourrelet sur l'envers et vous mesurez comme ça. Vous avez aussi la possibilité de calculer le nombre de rangs à l'avance. Imaginons, pour vous, c'est 23
hop là, centimètres. Donc vous divisez par 10, 23 divisé par 10, ça fait 2,3. Et vous le multipliez par, hop, le nombre de rangs de votre échantillon. Par exemple, moi, 29 fois 29, ça me ferait 66 rangs. Toujours, ben là, on s'en fout que ce soit un nombre pair ou impair, en fait. Donc, 66 rangs, sachant que j'en ai déjà tricoté, donc 1, 2, 3. Il me resterait 63 rangs à faire. Bon, personnellement, je n'ai pas envie de compter les rangs, je vais mesurer. On n'est pas à un demi-centimètre près non plus, donc voilà, pas de souci. Et bien, une vraie partie de plaisir, parce que vous savez, enfin, ceux qui me connaissent savent que moi, le point mousse, je trouve que c'est long et que ça bouffe beaucoup de laine, donc je vais m'occuper de ça. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais mettre mes mailles sur, en attente sur une aiguille souple pour pas qu'elle me gêne. Et ce qu'on va faire, c'est s'occuper de la couture. Parce que je l'ai déjà tourné, ça, la couture. J'ai déjà cousu un côté. Et bien, il m'en reste un autre, donc je vais recommencer. Je vais faire la couture du deuxième côté. Donc, c'est une couture au point arrière. Vous avez quelque part par là une boîte de dialogue qui va s'ouvrir pour vous emmener vers la vidéo que j'ai faite très, très détaillée sur le point arrière. Donc, cette couture se fera sur l'envers du travail, de sorte qu'on ne voit pas le petit bourrelet disgracieux. Ici, ce que vous voyez, les fils qui traînent, c'est des fils de changement de pelote. Je viendrai les cacher dans la couture après. Donc, je mets mes mailles en attente, on fait la couture, puis je reprendrai mes mailles, je tricoterai mes 20 cm. Et on se verra après pour voir comment on divise ces mailles en deux, comment on fait l'assemblage. Il y a différentes méthodes en fonction du matériel que vous avez. Voilà les mailles de ma capuche en attente sur des aiguilles circulaires fines. J'ai mis des petits bouchons. Les aiguilles circulaires fines, c'est vraiment le truc à avoir parce que je mets toujours en attente là-dessus et c'est quand même super pratique. Vous verrez qu'en plus que pour la capuche, c'est carrément idéal, pas qu'elle soit circulaire, mais parce que les circulaires sont forcément double pointe. Alors que là, ce qui m'intéresse en les mettant en attente là-dessus, c'est qu'en plus c'est sur un câble souple, donc elles ne viendront pas me gêner. Donc je vous le disais, cette couture au point arrière, je l'ai déjà faite, je l'ai déjà filmée, mais ça n'a pas fonctionné. Donc on va s'occuper de la deuxième. Là, je suis sur l'endroit du travail, mais comme je fais une couture au point arrière, eh bien, je me mets sur l'envers du travail. Hop, ok, voilà comme ça. Ici, les fameux fils que je cacherai tout à l'heure. Et ici, le fil perdu qu'on avait soigneusement justement gardé pour pouvoir faire la couture au point arrière. Et la petite aiguille à laine qui va bien. Alors première chose, pour ceux et celles qui souhaitent retourner la manche, dans ce cas-là, je vous propose d'inverser la couture au point arrière sur les trois derniers centimètres. C'est-à-dire qu'on va faire, vous faites la couture au point arrière sur l'envers du travail, tout à fait normalement, et sur les trois derniers centimètres, vous retournez votre ouvrage et vous faites votre couture sur l'endroit du travail. De sorte que, lorsque vous viendrez retourner les manches, la couture ne se verra pas. Ce que je vous propose à cette fin, c'est de mettre un petit repère 3 cm avant la fin des manches, simplement pour bien penser à inverser la couture. Il se trouve que sur l'autre manche, je devais inverser la couture sur les 3 derniers centimètres et j'ai oublié. Donc je vous montre quand même ce que ça donne quand on n'a pas... Voilà, on voit la couture honnêtement. Enfin voilà, on la voit, mais c'est sur le côté, sous le bras. C'est pas dramatique, mais peut-être que vous préféreriez inverser la couture, donc vous pouvez commencer par faire ça. Ensuite, l'objectif, ça va être de faire, alors attends, parce que j'ai des fils qui traînent partout, moi, hop, de faire la couture d'une traite ici, en faisant en sorte, avant tout, de ne pas avoir de décalage, hein, de bien arriver le devant et le derrière qui arrivent bien au même moment sous l'aisselle. Et pareil, on essaye de pas faire de décalage comme ça, on va essayer. On va essayer, non, on va le faire, hein. On va pas seulement essayer, on va y arriver. On va être consciencieux à ce niveau-là. Donc, hop, première chose, on vient arrimer les deux bords ensemble, sachant que l'angle est assez difficile à trouver. Ok. Ensuite, le principe de la couture au point arrière sur le point mousse. On ne peut pas vraiment se servir des mailles pour dire j'avance de deux mailles, je recule de une. Donc, je l'exprime en centimètres. J'avance d'un centimètre. Je traverse et je recule d'un demi-centimètre. Donc première chose, moi j'aime bien aller dans ce sens-là, donc il faut que je commence mon ouvrage avec le fil sur l'arrière.
comme ceci. Voilà. Et donc je vais avancer d'un centimètre environ. Je traverse. Je tire. Mais je ne tire pas mon fil complètement. Je viens en arrière d'un demi-centimètre. Je passe derrière. Et maintenant que j'ai passé mon aiguille, je tire le fil. Alors je tire, mais pas trop non plus, hein. Il ne s'agit pas d'exercer une tension trop forte. Et voilà mon premier point qui est fait. Je suis ici, j'avance d'un centimètre. Je tire, mais pas complètement. Alors je tire, mais pas complètement, tout simplement parce que quand je reviens en arrière et que je pique, ça m'évite de piquer dans ce fil-là. Je pique d'abord, je tire après. Et ça me permet d'avoir une couture très régulière, enfin, je trouve. On se fait un petit gros plan. Alors, déjà, un petit point de plus. Alors, quand je dis un centimètre, hein, ça peut être un centimètre virgule deux, hein, faut pas non plus. Hein. Donc, j'avance d'un centimètre. Je tire, mais pas trop. Je recule d'un demi. Et voilà. Plus vous aurez de lumière, mieux vous serez installé, mieux ça se passera. De cette façon, vous prendrez assez rapidement d'abord l'habitude d'avoir un point relativement régulier. Et ensuite, vous voyez, la question que vous allez vous poser, c'est mais est-ce que je pique complètement au bord ou à 2 mm du bord? En fait, si vous êtes assez proche et qu'il y a assez de lumière, vous verrez que la première maille, on la repère assez bien. Et il faut piquer juste avant la première maille. Voilà. Et ressortir de l'autre côté juste après la première maille qui est au bord. L'équivalent de la maille lisière. Enfin, c'est une maille lisière d'ailleurs. Sauf que au jersey, c'est une maille qui forme un petit V qui est un petit peu déformé et qui se retourne. Alors qu'au point mousse, c'est plutôt une espèce de. Je sais pas. Voilà. Hop. Et je continue comme ça. Donc n'hésitez pas de temps en temps à vérifier que vous êtes toujours au point et que l'aisselle d'un côté est bien face à l'aisselle de l'autre. D'accord? Voilà. Alors, on peut épingler aussi. Honnêtement, sur une longueur pareille, épingler, je vois pas trop l'intérêt. Mais si ça peut vous rassurer, moi je dis, allez-y, n'hésitez pas. Je continue, on se retrouve au niveau de, ben, sous le bras, à l'aisselle. Voilà, j'arrive vers l'aisselle. Un dernier point, juste dans l'angle. Alors, lequel angle? Voilà, regardez. Vous aussi, vous allez trouver certainement quelque chose qui peut ressembler à un petit trou. Pourquoi? Parce que quand on a rajouté les mailles de la manche, on a utilisé la technique du montage tricoté. Donc, ce que je fais moi, c'est si je trouve que le trou est un peu gros, un peu disgracieux, eh bien, n'hésitez pas à en profiter pour doubler le point à cet endroit-là, de sorte à faire un petit peu de cache-misère. Ou en tout cas, quand vous venez repiquer, vous passez votre aiguille de sorte à choper un fil qui est juste en dessous, hop, à créer une petite surépaisseur qui du coup enlèvera le petit trou. Et sinon, pour le reste, vous continuez exactement pareil. On est toujours dans le cas de la couture au point arrière. Et qu'il y ait un angle droit n'y change rien. Ici, c'est là où on a rajouté les mailles sur une manche et sur l'autre, c'est là où on les a rabattues. Eh bien, vous verrez assez facilement, j'allais dire, peut-être même plus facilement, l'endroit où vous devez piquer. C'est vraiment à 2 mm du bord. Je trouve que c'est plus visible que quand on est sur des rangs. Là, on est sur des mailles. Donc, c'est assez simple. Voilà. Je suis en train de me demander si j'aurai assez de fil pour vous dire la vérité. Alors, ce qui serait quand même un comble, parce que je pense que le fil perdu, je vous en parle assez souvent dans mes tutos. Est-ce que j'ai mal mesuré? Est-ce que j'ai mal compté? C'est pas impossible. Hop, de temps en temps je vérifie que je coupe, que je pique pas n'importe où quand même. Alors c'est vrai que la couture au point arrière mange beaucoup de fil par rapport à la couture au point invisible. J'ai choisi la couture au point arrière. Pourquoi? Bah, je sais pas, parce que oui, la couture au point invisible sur le point mousse. Je m'en faisais tout un monde, alors qu'en fait j'ai réalisé que s'il y avait une petite boucle d'un côté, ça voulait dire que ça formait un petit barreau de l'autre, et que du coup, la couture invisible au point mousse est aussi simple à faire que la couture invisible sur du jersey. Mais bon, j'ai eu un doute.
J'essaye de voir là si je vais réussir, mais punaise, franchement, je pense qu'à 20 cm près, je vais pas y arriver. Parce que là, on a l'impression qu'il n'y a plus grand-chose à faire, mais en fait, en termes de quantité de fil, ça risque d'être compliqué. Allez, je continue. On se retrouve au niveau du marqueur pour que je vous rappelle d'inverser le fil. Ouais, en fait, non, on va pas faire ça. J'ai pas assez de fil pour aller jusqu'au bout, c'est une certitude. C'est quelque chose qui peut vous arriver. Et bien du coup, je vais changer de fil et je vais vous montrer comment on fait. Voilà, donc là, j'estime que j'ai pas assez de fil. Ce que je vais faire, c'est que je vais le sécuriser en faisant un point quasiment sur place. Pas sur place, hein, sinon vous allez défaire ce que vous venez de faire, c'est évident. Ok. Et puis, je le faufile sur la petite bordure, sur le fameux petit bourrelet. Voilà, donc je le passe sur la tranche, à peine sur le dessus. Je sécurise une fois de plus. Faut que je fasse gaffe de ne pas créer de tension. Je le passe dans 3-4 mailles. Je tire. Normalement, je vérifie que tout va bien. Enfin, là, c'est pas la couture. Je suis en train de camoufler un fil, donc. Normalement, je n'aurais pas traversé de l'autre côté. Je prends un nouveau fil. C'est un peu l'inconvénient, hein, c'est que ça fait encore un fil à rentrer. Il y en aura déjà pas mal. Le principe pour rentrer les fils, c'est le même, hein, c'est toujours pareil. Puisque je suis venue faire une surépaisseur sur ce côté-là, ben, je vais faire une surépaisseur sur ce côté-là du petit bourrelet de la couture au point arrière. Donc, nouveau fil. Quasiment du surplace pour bien le maintenir. Ou encore un point, on sait jamais. Tac, voilà. Je faufile. Peut-être, oui. Jusqu'à ce que j'arrive. Voilà. Donc ici, je peux le couper puisque j'ai déjà sécurisé. C'est pas la peine que je garde ce petit bout-là. Et je reprends ma couture là où je m'en étais arrêtée, tout simplement. J'arrive vers le marqueur qui m'indique que je dois revenir de l'autre côté, enfin inverser la couture. Donc je fais mon dernier point. Je pique sur un des deux bords seulement. Voilà, donc mon fil maintenant est au milieu. Je retourne. Je dis hop, mais je perds mon fil. Et là, si je devais le faire, mais je ne vais pas le faire, je mets bien bord à bord, un pas en avant, deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière. Voilà. Sauf que là, moi, je ne vais pas le faire puisque je reste de l'autre côté du travail. Pour être en symétrie par rapport à ma première manche. Donc je continue jusqu'au bout. Alors du coup, je vais retraverser pour être du bon côté, voilà. Là, je viens bien récupérer l'angle, si je le vois, ce qui n'est pas toujours facile, d'une manche, je vais piquer dans l'angle de l'autre manche. Je fais mon point arrière. Ok. Et alors, j'ai l'habitude de vérifier, moi, que ça va à peu près. Parfois, ici, c'est un petit peu décalé, c'est pas très très joli. C'est le moment ou jamais de venir un petit peu arranger les choses. Moi, j'ai tendance à piquer les deux boucles du bord, une boucle d'un côté de la manche, une boucle de l'autre. Voilà, de cette façon, pour venir les rapprocher un peu. Ensuite, je sécurise mon point. En faisant très légèrement du surplace. Et je reviens en arrière pour rentrer le fil sur la couture elle-même, évidemment sans traverser, hein, pour pas que ça se voit sur l'endroit du travail. Voilà, ça me semble suffisant. Un petit peu de surplace. Ça, c'est vraiment la technique avec laquelle vous allez rentrer chaque fois que c'est possible.
Votre fil. Alors attends, je vais le retourner. Donc je vais venir le camoufler plutôt vers l'intérieur du travail. C'est peut-être pas la peine de s'approcher du bord, puisque par définition, on retourne les manches. Ça serait dommage qu'il y ait un petit bout de fil coupé qui dépasse. Donc je vous disais, chaque fois qu'il y a une couture, profitez-en pour venir camoufler le fil, vos fils de changement de pelote, les fils des coutures, venez les camoufler là. Et là, vu qu'on est sur du point mousse, je vais vous montrer qu'on peut en plus. Ah, j'ai coupé. Alors normalement, on ne coupe pas. Normalement, on retourne, on vérifie la couture, mais bon. Donc je vous disais, comme on est au point mousse, on va pouvoir aussi, lorsqu'on n'a pas de couture, venir camoufler le fil sur l'ouvrage lui-même, en se glissant, en faisant des zigzags sous les petites boucles formées par les mailles, parce que sur le point mousse, réellement, c'est invisible. Je retourne. Hop. Je vérifie. Ok, tout va bien, donc il n'y a pas de problème. Alors, on observe maintenant l'intérieur. Ici, fil de changement de pelote, je vais venir camoufler un fil de ce côté-là de la couture, l'autre vers le bas, pas de souci. Ici, je ne sais plus ce que c'est. Ah ben si, ça c'est le début de ma capuche. Donc comme ici, j'ai un tout petit bourrelet, je vais venir camoufler ces deux fils ensemble. Par contre, là, je n'aurai pas bien le choix sur 5-6 cm. Ça, c'est le fameux fil lorsque j'ai rabattu mes 16 mailles pour l'encolure. Et alors, ce qui se passe, je suis en train de chercher mon aiguille, c'est que comme j'ai défait mon travail, ce fil-là, je l'avais déjà rentré, ce qui fait que je l'ai coupé. Donc, j'ai très peu de fil devant moi pour venir le camoufler. Ça va être un peu pénible. Et en plus, je veux faire mon petit cache-misère. Quand on rabat des mailles pour une encolure, très souvent, à l'angle, ça baille un petit peu. Donc, c'est le moment de venir piquer dans des petites boucles pour rapprocher tout ça et pour qu'il n'y ait pas de petits trous. Ça va être un peu compliqué, j'ai pas beaucoup de longueur là. Où est-ce que je vais pouvoir vous montrer ben et ouais, là j'ai une couture parce que là en fait, regarde, avec le bourrelet des mailles relevées, je peux venir le camoufler ici, hein, c'est pas la peine que je m'embête, mais du coup, je vais pas vous montrer le reste. Donc de ce côté-là, il y en a un que je vais venir camoufler sur l'ouvrage lui-même pour vous montrer un petit peu comment je fais. Cela étant, il y a de très bonnes vidéos là-dessus, hein, faut pas s'inquiéter. Ce qu'on peut faire aussi parfois, mais moi j'y arrive jamais, quand le fil est trop court, vous rentrez d'abord l'aiguille et ensuite le fil. C'est pas bête. Sauf que moi, je n'y arrive jamais parce que je ne me donne pas vraiment la peine aussi, il faut dire. Je suis d'une patience très très limitée. Je vérifie derrière que tout va bien avant de couper le fil. Ok. Nous voilà ici. Ce fil-là dans la couture, celui-ci, je vais tout simplement venir le camoufler sur l'ouvrage lui-même. Ça peut vous arriver. Un gros plan. Alors mon objectif, ça va être de passer sous des petites boucles et puis de venir faire un petit zigzag qui ira en se rétrécissant et qui ira vers l'intérieur de l'ouvrage et non pas vers l'extérieur pour ne pas prendre de risque qu'il y ait un fil qui vienne dépasser sur le bord. Un petit gros plan pour ça. Voilà, donc je passe sous les petites boucles. Alors là, je vais faire par exemple 5 ou 6 boucles. Si je tourne de l'autre côté, on voit même pas mon aiguille. Enfin, on la voit un peu. Non, si on la voit un peu, si j'écarte, hein, évidemment. Mais ça signifie que le fil, ne vous inquiétez pas, on ne le verra pas. Je tire. Hop. C'est là que je fais attention de ne pas exercer de tension non plus. Et je vais revenir, cette fois-ci, je vais rentrer dans un petit peu moins de boucles, donc 4. Je tire, mais pas trop. 3 petites boucles. Est-ce que je suis dans le champ? Pour quand même que vous puissiez y voir quelque chose. Re, 3 petites boucles. Et là, je vais repasser dans les deux dernières, les mêmes. Mon objectif étant de coincer mon fil relativement définitivement. Ce que je fais parfois aussi, c'est que je passe dans la fibre du fil. Voilà. Je vais retourner. On voit rien. Si ça peut vous rassurer, vous pouvez continuer un petit peu vos zigzags. Alors moi, ni je fais de nœud, ni je... Voilà, je m'arrête là. Et voilà, alors on le voit un petit peu sur l'envers du travail, mais
sur l'endroit, on ne le voit pas. Voilà, ça c'est les miracles du montage. Alors, quand vous serez vers la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi je tourne cette petite scène supplémentaire. Pour vous dire que on n'est plus dans la vraie chronologie, là en fait j'ai terminé complètement le petit paletot et je viens corriger une erreur que je vais vous dire, mais plus tard. Il s'agit donc du rabattage à trois aiguilles de la capuche, c'est-à-dire qu'on va venir rabattre et ça l'assemble en même temps. Et je vous dis dans la vidéo qu'il faut se mettre sur l'endroit du travail pour faire ce rabattage à trois aiguilles. Alors que non, d'ailleurs je le fais, hein, je me mets sur l'endroit du travail et je me plante joyeusement. Donc bien sûr, je mettrai un petit mot au moment de cette séquence, mais tant qu'à faire, autant vous prévenir avant, le rabattage à trois aiguilles se fait en regardant l'envers du travail. Voilà, c'est ce que j'ai finalement fait, j'ai défait mon travail. Alors je ne sais pas pourquoi je me suis trompée, puisque sur l'exemplaire précédent, je l'avais bien fait du bon côté. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'il faudra y penser. J'aurais mis un petit mot, mais il vaut mieux deux précautions. Deux précautions valant mieux qu'une. Je préfère vous le répéter, le rabattage à trois aiguilles se fait, voilà, en regardant l'envers du travail. Comme ça, le petit bourrelet disgracieux est à l'intérieur de la capuche. Et de l'autre côté, on ne voit rien, ce qui est une très bonne chose. Voilà, c'est fait. J'ai tricoté donc mes 20 cm au point mousse. Première hypothèse, on va imaginer que vous soyez équipé d'aiguilles circulaires. Ce qui est quand même nettement plus pratique, il n'y a pas à chipoter sans s'étendre. Donc je vous montrerai comment positionner les mailles sur l'aiguille circulaire. Et ensuite on va imaginer que vous n'ayez pas d'aiguille circulaire, donc vous avez vos deux aiguilles avec lesquelles vous avez tricoté, plus une autre aiguille, alors soit de la même taille, soit d'une taille différente, c'est pas très grave. L'essentiel c'est que la maille avec laquelle, l'aiguille avec laquelle vous allez tricoter et rabattre vos mailles soit de la bonne taille. C'est sur cette aiguille-là que vont se former les mailles et il faut que cette aiguille soit de la bonne taille. Par contre, si vos mailles sont en attente sur une aiguille droite de diamètre plus petit, c'est pas un problème. Plus gros, ça va être embêtant parce que vous aurez du mal à venir saisir vos mailles. Donc je l'ai prise de couleurs différentes pour qu'on se comprenne bien. Voilà qui est fait. Ensuite, première chose, il faut diviser le travail en deux. Donc on va mettre un petit marqueur à la moitié du travail. Donc moi j'ai 54 mailles, donc j'en compte 27. 26 et 27. Je glisse le marqueur autour de l'aiguille et je vérifie que j'ai bien 27 mailles de ce côté. 26, 27, parfait. Donc première hypothèse, on imagine que vous ayez des aiguilles circulaires. Donc je vais mettre mon petit bouchon sur l'une d'entre elles. Et ensuite, je passe la totalité de mes mailles sur mon aiguille circulaire en les prenant comme si je voulais les tricoter à l'envers. Je passe le marqueur, je le laisse bien en place. Et je continue. Ok, voilà qui est fait. Maintenant, je vais plier mon ouvrage en deux. Ah oui, je ne sais pas si je voulais préciser, les aiguilles circulaires peuvent être aussi de n'importe quelle taille. Plus petite a priori ou de la même taille, pas plus grosse, ça ne sera pas pratique, mais ce n'est pas un souci. Et maintenant, je vais faire glisser mes mailles. Hop, je sors le câble à l'endroit où j'ai mis le marqueur. Et je fais glisser mes mailles d'un côté et de l'autre. Voilà. J'ai donc la moitié de mes mailles ici, la moitié de les mailles ici, des autres mailles ici. Et quand je vais venir faire mon assemblage à trois aiguilles, je viendrai piquer une maille devant, une maille derrière. Voilà. Et ça sera la même technique que je vais utiliser avec trois aiguilles. Donc là, pas de souci. C'est comme ça que vous devez vous positionner. Alors maintenant, je vais remettre mes mailles sur mes aiguilles droites pour partir de l'hypothèse que vous n'avez pas d'équipement en particulier. Hop. Alors l'avantage d'avoir des aiguilles circulaires, c'est que du coup, je vais pouvoir les remettre, attends, bougeons pas, sur mes aiguilles droites, sans avoir à les passer plusieurs fois, puisque l'objectif, c'est que j'arrive, on va y arriver, hein, avec l'aiguille comme ça, et le fil du bon côté. Si le fil pour tricoter est de ce côté-là, je vais avoir un petit problème, je ne pourrai pas. Donc c'est pour ça que j'ai toujours, toujours, toujours des aiguilles circulaires avec moi, notamment pour mettre les mailles en attente. Bon, je fais ça et puis on se retrouve après. Voilà, j'arrive à la fin.
Ok, je vire ça. Et donc, je me retrouve sur l'hypothèse de base. Vous venez de terminer de tricoter votre capuche. Vous avez mis votre marqueur à la moitié de vos mailles. Donc, vous prenez une aiguille et vous allez passer vos mailles jusqu'au marqueur sur votre deuxième aiguille. Voilà, j'arrive au marqueur. Je peux l'enlever, j'en ai plus besoin. Et je mets un bouchon sur les mailles qui sont en attente, qui n'ont pas le fil. Ici, si j'observe, le fil pour tricoter se trouve à la fin. Donc maintenant, comme ce ne sont pas des aiguilles double pointe, et bien du coup, je suis obligée de repasser mes mailles sur une aiguille pour me retrouver dans le bon sens. Voilà, j'y arrive. Ok, maintenant, si je plie mon travail en deux, j'ai donc ces mailles-là qui sont bien positionnées, prêtes à tricoter, puisque on doit commencer le rabattage de ce côté-là, hein, pas du côté qui est fermé, pas sur l'arrière de la capuche, mais sur l'avant. Mais par contre, du coup, c'est celles-ci qui ne sont pas dans le bon sens. Je ne peux pas venir tricoter ces mailles-là alors que je suis en fin d'aiguille du côté où je ne peux pas tricoter. Donc, voyez l'intérêt du coup des aiguilles circulaires? Hop! Cette fois-ci, c'est les autres mailles que je vais repasser sur une autre aiguille. Alors du coup, si c'est bon, ça marche. Du coup, je prends la mauvaise aiguille, en l'occurrence, je crois que c'est taille 5 là, je ne sais plus. Et je les passe, je passe mes mailles. Voilà. Maintenant, j'observe mon travail. Ok. Donc, mon fil est du bon côté. Mes mailles se présentent correctement. Je peux les tricoter sans problème. J'ai une aiguille plus petite ici, mais ce n'est pas un souci, puisque ma deuxième aiguille numéro 6 va me servir à former mes mailles. Et c'est ce qu'il y a d'important. Il faut que mes mailles se forment sur la bonne aiguille. Donc, maintenant, on y est. On va. Alors, le départ est un petit peu périlleux. Bon, enfin, ça se fait, hein, honnêtement. Et puis, franchement, c'est tellement. Le résultat est vraiment chouette, donc il faut le faire. Je suis sur l'endroit du travail visible. Je vais maintenant, hop, mettre mes deux aiguilles l'une à côté de l'autre, comme ça. Et je vais. Attends, pour faire gaffe qu'elles ne tombent pas quand même. C'est un peu la difficulté, c'est ça. C'est de faire en sorte que les mailles ne tombent pas. Je pique dans la maille de mon aiguille en bois, comme pour la tricoter à l'endroit. Et je pique dans la maille de mon aiguille bleue comme pour la tricoter à l'endroit. J'ai donc avec cette aiguille piqué dans deux mailles. Je tricote normalement et je ressors ma maille à travers les deux. Puis je fais tomber la maille de l'aiguille en bois et la maille de l'aiguille bleue. J'ai donc une maille ici. Pour en rabattre une, il m'en faut deux, donc je recommence. Je pique devant, sur l'aiguille de devant, je pique sur l'aiguille bleue. Je tricote ma maille, je la ramène devant et je fais tomber les mailles de derrière. Maintenant, je prends une des deux aiguilles et je m'en sers pour rabattre ma maille qui se trouve sur l'aiguille qui est elle est à droite. Voilà, j'ai rabattu une maille et je continue. Je pique aiguille en bois, je pique aiguille bleue, je tricote. Je fais tomber les mailles, ensuite je prends une des deux aiguilles et je rabats. Donc là, ce fil-là, tenez-le, enfin ne serrez pas comme un âne, mais tenez-le bien, c'est le seul moyen que vos mailles sur l'aiguille de droite ne tombent pas. Hop, et après vous détendez un petit peu. Je pique, je tricote, je fais tomber et je rabats. Je fais un gros plan. Si ça ne tombe pas, oui. Alors je vous disais de pas trop serrer, de pas trop tirer. Attends, je suis en train de regarder un truc. Oui, si c'est bon. De pas trop tirer votre fil parce qu'ici, sinon, hop, ça va faire une petite tension. Hein. On essaye de faire en sorte que ça crée pas de tension. Allez, je recommence. Je pique aiguille en bois. Je pique aiguille bleue.
Je tricote, je passe à travers les deux et je fais tomber mes mailles. Ensuite, je rabats une maille sur l'autre et je recommence. Aiguille en bois, aiguille bleue, je tricote, je fais tomber, je rabats, je détends un peu. Et on va faire comme ça jusqu'à la fin du rang. Alors on se voit évidemment à la fin du rang pour voir comment on termine ce rabattage à trois aiguilles. Tac. Voilà, donc j'arrive sur la fin. Je pique. Là, si vous n'avez pas exactement le même nombre de mailles sur votre aiguille, donc une et une ou deux et deux, je ne sais pas où vous en êtes, c'est qu'il y a un problème. Oui, voilà, je suis en train de calculer. Je rabats. Voilà, j'agrandis la boucle. Je la passe autour de la main pour sécuriser. Et donc, c'est... C'est bien ce qui me semblait, je ne l'ai pas fait du bon côté. Si? Ben non. C'est l'inverse qu'il faut faire. Ben non, je l'ai pas fait du bon côté. Non, mais c'est pas possible. Mais oui, au point mousse. Je dois faire mon assemblage à trois aiguilles en regardant l'envers du travail, de sorte que le bourrelet disgracieux soit du bon côté. Bon, mais c'est pas possible. Bon, alors. C'est pas grave, la technique est la même. Je mettrai donc un petit mot au moment où je vous dis qu'il faut faire l'assemblage à trois aiguilles en regardant l'endroit du travail. Bon, je vais pas tout recommencer hein, parce que ça va pas être possible. Enfin, je vais pas tout recommencer, je vais pas tout filmer, je veux dire. Je vais défaire et puis je vais recommencer de mon côté comme une grande fille que je suis. Bon, vous êtes habitués à ce genre de truc. Bon, donc, je vais refaire ça en vitesse. Enfin, vite, je vais essayer de pas me planter. Je vais retourner une petite séquence pour la mettre dans le film au bon endroit pour vous dire, faites gaffe, je dis des bêtises. Et puis, on se voit parce qu'on aura terminé, en fait. Je vais vous voir pour cette partie-là. Et après, c'est fini, puisqu'il s'agit de mettre les boutons. Ça, je ne vous montre pas. D'autant plus que je fais ça à reculons. Je déteste ça, mais. Grâce au repère qu'on avait pris, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Donc je fais ça et puis on se voit après pour faire le bilan. Donc là je défais, je vous montre quand même ce que ça va donner. Alors attends, je défais, mais je vais les remettre en place au fur et à mesure. Alors c'est pas... Ça va être un vrai bins, c'est-à-dire qu'il faut... Non, je vais prendre l'aiguille circulaire. Il faut qu'au fur et à mesure que je défasse, pour pas prendre de risque, que je remette d'un côté, hop, ici, et de l'autre. Eh ben dis donc, je suis pas sortie de l'auberge. Moi, c'est moi qui vous le dis. Mais enfin bon, après c'est ma faute. Hein. Oh, ça glisse. Au secours. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, vous le ferez pas vous. La bêtise, puisque c'est moi qui l'ai faite. Allez, on s'éternise pas. Je m'occupe de ça et puis on se revoit après. Voilà, ça y est. Oh, c'était que quelques minutes de plus. Fallait bien que j'en fasse une, hein, de toute façon. Ok. Je confonds la droite, je confonds la gauche, je confonds l'endroit et l'envers du travail. Donc on en est là. Ok? Alors, il s'agit de couper le fil et de bien sûr venir le passer dans la dernière boucle. Est-ce que vous avez besoin de fil perdu? Pas spécialement, juste assez pour venir le cacher ici dans le petit bourrelet disgracieux. Parfois. Il pourrait vous sembler nécessaire d'en garder beaucoup plus pour venir faufiler le fil jusqu'au départ de votre capuche parce que vous trouvez qu'ici, votre départ n'est pas très joli et vous voulez faire du cache-misère. Bon, moi, a priori, ce n'est pas le cas. Donc, je vais couper. Je laisse 20-25 cm. Je passe dans la dernière boucle et je tire. Et donc, maintenant, je retourne ma capuche pour qu'elle soit dans le bon sens. Voilà! Vous l'aviez senti l'hésitation? J'étais en train de rabattre ma dernière maille et puis j'ai eu un petit moment d'hésitation. C'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est toujours comme ça avec moi. Bon, eh bien écoute, voilà pour ici. Donc on peut éventuellement
venir la retourner un petit peu. Vous faites un petit point de couture ici. Peut-être un ou deux répartis là. Là, pareil, vous venez en rétrécissant. Vous ne pouvez pas le retourner puisque c'est tenu ici. Donc, vous terminez juste par un petit ourlet. Voilà, jusqu'à la moitié. Et de l'autre côté, pareil. Vous terminez avec un ourlet pas très large. C'est pas, pour moi, c'est pas nécessaire de retourner les capuches. Après, vous verrez. Chacun voit midi à sa porte. Ce fil-là, bien sûr, on le rentre dans la couture. Et bien, je crois que j'ai terminé. Donc, je vais pas faire le bilan tout de suite. Parce que, pardon, je suis en train de tourner la déclinaison du tuto 22, là, les deux déclinaisons que je fais. Donc, vu que je fais des escounaillés assez régulièrement, je vais essayer de rester assez concentré sur mon autre travail. Et puis, quand j'aurai fini tout ça, je ferai mon bilan et je ferai ma présentation en conséquence pour pouvoir vous donner des conseils, notamment à l'avance. Je sens déjà que pour ce fil, j'ai utilisé des aiguilles plus petites. Je crois que la laine Julia de Zeman est préconisée pour 7,5-8. J'ai pris des aiguilles 6. J'aurais pu prendre des aiguilles 5,5 parce que ça reste quand même très souple au point mousse. Là, ça va, mais il n'y aurait pas fallu des aiguilles plus grosses, très honnêtement. Le point mousse, c'est quelque chose qui a tendance à se détendre. Et ce petit paletot, c'est plutôt, c'est une veste, si vous voulez. Hein, c'est pas un pull souple, c'est pas, c'est quelque chose, c'est comme un petit manteau, en fait. On vient le mettre sur d'autres habits, donc il faut quand même qu'il ait une certaine tenue, une certaine consistance. Allez, je continue ma déclinaison du 22. Et quand je me sens prête à ne pas dire trop de bêtises, je reviens vers vous pour faire le bilan. Bon, alors entre deux séances de ponçage d'escalier en bois, je prends quelques minutes pour faire un bilan rapide, si toutefois j'y arrive. Sur le modèle lui-même, sur le paletot, franchement, j'ai adoré le faire. Je trouve que vraiment, j'aime beaucoup les paletots. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais en faire un, donc je suis assez contente. Je suis assez contente de mon modèle. Ça fonctionne très bien et je l'aime particulièrement au point mousse. Sur le fil, alors. Le fil Julia, comme je m'y attendais. Tac, Julia de Zeman. Donc on est à 1,99 € la pelote, sachant que la pelote fait 170 mètres et se tricote en 7-8. Donc je m'y attendais un petit peu. Donc déjà, première chose, il faut absolument tricoter ce fil, à mon avis, avec des aiguilles plus petites. Mais d'autant plus si vous tricotez ce paletot au point mousse. Il faut réellement, moi je suis descendue à des aiguilles 6, j'aurais pu très nettement descendre à des aiguilles 5, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand je l'ai tricotée, alors la pelote est extrêmement douce. Quand je l'ai tricotée, je sentais quand même qu'elle avait tendance à feutrer un peu, enfin à s'ébouriffer. C'est généralement mauvais signe. J'ai détricoté plusieurs fois, hein, parce qu'il m'est arrivé quand même pas mal d'aventures. Et effectivement, c'est un fil qui, de toute évidence, est d'assez mauvaise qualité. Alors je voulais vérifier ce qu'il y avait dedans. Un petit peu de laine, 20%, 80% acrylique. Alors mes craintes se sont confirmées quand je l'ai lavé. Donc je l'ai lavé sur un cycle laine. Et voilà ce qui est sorti de ma machine à laver. C'est la première fois que ça m'arrive qu'un ouvrage fasse des bourres dans la machine à laver. Là vraiment. Et il en reste partout. Il en reste partout. Et du coup, ça altère la couleur. Ça fait des espèces. Je ne crois pas qu'on le voit à la caméra, mais ça fait des espèces de nuances de couleur entre ces bourres qui sont plutôt oranges et le fil qui à l'origine était quand même rose pâle. D'accord? Donc pas cool. Donc première chose, ce fil, il est à laver à la main, c'est sûr. Bon, c'est un cycle laine avec un essorage très léger, mais c'était déjà beaucoup trop pour ce fil-là. Du coup, je ne sais pas, je vais essayer de le tondre. Là, il y a des espèces de petites machines pour enlever les bourres. Je ne sais même pas si je vais l'offrir parce que, enfin, honnêtement, il n'a pas la tête qu'il devrait avoir. Donc je suis super, super, super déçue par rapport au fil. Ensuite, sur le tuto lui-même, bon, ben, ça a été une sacrée aventure. Là, je viens de finir le montage. Il ne me reste plus que cette séquence-là à monter. Et je crois que j'ai tout eu. Hein, entre les manches que je fais des 18 mailles alors que j'annonce 24, la capuche que je vous conseille d'assembler en regardant l'endroit du travail alors qu'il faut regarder l'envers du travail. Enfin, je crois que j'ai à peu près tout eu. donc, moralité. Il ne faut pas que je fasse plusieurs tutos à la fois. Il ne faut pas que je fasse le tuto plus les déclinaisons en même temps. Plus les travaux, puisque je suis en travaux depuis une dizaine de jours et que j'essaye de caler comme ça de temps en temps des petites séquences de tournage. C'est ouais, en fait, non, non, c'est pas pour moi ce genre de choses. Autre chose, ah oui, quand je l'ai lavé comme une couillonne, je l'ai lavé avec les boutons en place et vous voyez, ça m'a déformé le bord. Bon, ben, ça aussi, pas cool.
Ou alors, l'autre solution, c'est de faire la boutonnière, non pas comme moi à 2 mailles du bord, mais peut-être à 3. Enfin, après, à 3 mailles du bord, tu vois, le truc, c'est que l'objectif, c'est qu'il y ait une harmonie dans les proportions. Et si ce bouton-là, je le décale encore un peu, ça va faire une petite bande de boutons. Enfin, je sais pas, je suis pas très sûre. En tout cas, ne le lavez pas avec les boutons en place parce que ça a tendance à l'étirer. Je l'aime beaucoup aussi. Là, c'est un 3 mois. Il a plus de tenue. C'est pas le même fil. Ah oui, c'était Distrifil, Tricot, Sierra. Je vais faire un petit test sur les fils premier prix des marques qu'on trouve le plus facilement. Là aussi, franchement, ouais, non, ça va pas du tout. C'est vraiment, vraiment, mais il est raide comme la justice, ce truc. Alors, évidemment, il a de la laine, mais alors, il est rêche, il est raide, il est tout ce qu'on veut. Ça va que c'est un manteau, que ça se porte pas, c'est un paletot, ça se porte pas, même le corps, parce qu'à mon avis, c'est pas possible. Non, mais même un adulte, je pense qu'il pourrait pas porter ce fil-là. On en rediscutera. Je vous le dis, quand j'aurai le temps, donc je ne sais pas quand, je ferai une petite vidéo où je vais tester 4-5 fils comme ça, dont on pense que ce sont des premiers prix. Je voudrais vérifier si ce sont vraiment des premiers prix, quel est leur rendement et tout. Et ensuite les tricoter, puis voir ce que ça donne hein, au lavage, au séchage, quand on le porte, etc. Bon, c'était un tuto un peu long, enfin un peu long, non? Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je crois qu'il fait 2 heures et quelques, 2 heures et demie. Bon, en même temps, hein, voilà, hein, c'est un tuto pas à pas, donc. Pas bien le choix. Je le trouve pas difficile du tout, en particulier sur toute cette partie-là. Là, quelques calculs, quelques répartitions de diminution, mais pas de souci. J'étais en train de me dire que j'ai fait mes répartitions de diminution. Alors, un rang point mousse où j'ai rien fait. Un rang point mousse où j'ai diminué. Augmenté, pas diminution, qu'est-ce que je raconte? Le rang numéro 3 où j'ai rien fait. Rang numéro 4 où j'ai fait mes augmentations. On pourrait encore étaler un peu plus ces augmentations. Mais bon, point. A priori, ça reste tout à fait harmonieux sur l'arrière. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Dès que je peux, je mets les vidéos en ligne sur les déclinaisons du tuto 22.1 que je fais entièrement en jersey et je viens rajouter des bandes de point mousse. Donc je relève des mailles et je fais du point mousse pour pas que ça roulotte. Et un autre que je tricote sans relever de mailles, hein, que je tricote en entier, mais en alternant. Un jersey ici et tout là où je veux pas que ça roulotte, je viens mettre une sorte de point fantaisie qui est un mélange entre le jersey et le point mousse. Bon, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à bien regarder la vidéo et sous la vidéo avant de me poser des questions. J'ai assez souvent le cas, ça m'étonne toujours un petit peu. J'ai des questions d'abonnés ou de non-abonnés, d'ailleurs ça n'y change strictement rien, où la réponse est dans la vidéo elle-même et parfois même dans les premières minutes. Alors ou même sous la vidéo, tu vois, dans la barre d'infos. Donc je me dis, mais est-ce qu'ils ont regardé avant? Je ne suis pas sûre. Ah, puis si, une autre chose, oulala. En ce moment, j'ai eu des questions sur des tutos où on me dit, pourquoi vous faites ça? Mais on ne me dit pas à quel minutage de la vidéo. Mais moi, je ne peux pas regarder la vidéo en entier pour vérifier à quel moment vous en êtes. Il faut me dire, bon, c'est le tuto, je ne sais pas, 21. Donc vous mettez évidemment votre question, votre commentaire sous le tuto 21. Et vous me dites, à 1h16 minutes, vous dites ça et je ne comprends pas parce que c'est impossible. Je ne peux pas regarder, d'abord je ne les connais pas par cœur. Et je ne peux vraiment pas retourner à chaque fois dans la vidéo, chercher l'endroit où vous en êtes pour essayer de vous aider. Moi, je souhaite vous aider, mais il faut aussi qu'à votre tour, vous m'aidiez un petit peu. Voilà qui est dit. Bon, et ben à bientôt pour un nouveau tuto tricot.